Or Stéphan. Or Stéphan. Oh Stéphane, oh Stéphane, c'est facile. C'est bon Tu veux pas dire un petit mot Je dirai après. Bonsoir à toutes et à tous. excuser Gisla Montavon, le directeur de l'UTBM. d'accueillir Aurore Stéphane ce soir dans ce bel amphithéâtre sur une thématique ô combien importante à l'UTBM, mais euh, je ne veux pas déflorer le, les propos de, de Nathalie Crochevillage. Je, je remercie d'ailleurs Nathalie, euh, Mathieu, euh, voilà, qui ont. Donc vous êtes bien là pour la troisième fois. Covid oblige. L'UTBM voilà. tient particulièrement à cette thématique puisque dans le groupe UT il y a un séminaire de réflexion sous le concept ingénierie durable. Aujourd'hui on se doit de travailler sur cette thématique-là. Les ingénieurs de demain auront à réfléchir, à, à gérer euh, ces, pro ces problèmes de transition énergétique. Et, et le rôle d'un établissement d'enseignement supérieur tel que le nôtre, c'est peut-être euh, aider à ses étudiants à forger leur esprit critique. Je pense que c'est extrêmement important. Leur métier d'ingénieur leur fait toucher la technologie, et la technologie n'est jamais neutre. Donc euh, c'est important que euh, nous puissions, nous, euh, ensemble, avec les étudiants, euh, réfléchir sur cette technique. Et je remercie euh, John qui euh, a pris en charge cette animation interne sur ce qu'on appelle nous l'ingénierie durable. Alors, plus optimiste. Euh, voilà, il faut toujours euh, y voir du, du positif. Voilà, euh, je vais laisser euh, sans plus tarder s'exprimer euh, l'oratrice. Je cède la parole à Nathalie. On la remercie encore. Au Mathieu et ici euh, pour. Euh, pour votre implication dans l'ensemble de, de nos actions, notamment au sein du département du pôle humanité. Voilà, je te laisse la parole, Nathalie. Merci, Pierre. Donc, John Phillips, euh, Marina Gasnier et moi-même, nous tenions à vous remercier pour être déjà euh, nombreux euh, ce soir pour cette conférence. Et nous tenons également à remercier et à saluer nos auditeurs à distance, puisque cette conférence est retransmise. Euh, et puis, nous euh, remercions également tous ceux euh, qui ont rendu possible cet événement. Et comme l'a dit euh, Pierre, ça n'a pas été. Euh, Simple parce qu'il nous a fallu un peu de persévérance euh, pour que cet événement ait lieu. Euh, événement proposé effectivement par le pôle humanité euh, de l'UTBM, par l'équipe de recherche FEMTORECI et également par le collectif développement durable de l'UTBM. Alors un peu de persévérance parce que cette conférence a été annulée une première fois en décembre l'année dernière à cause des grèves, euh, une deuxième fois en mars pour cause de euh, confinement. Et euh, on est bien content euh, de pouvoir ce soir euh, accueillir euh, Aurore Stéphane, euh, que je remercie de n'avoir pas renoncé, d'avoir euh, persévéré. Alors j'ai rencontré Aurore Stéphane il y a environ 18 mois lors d'un colloque euh, organisé à Cerisy sur le thème euh, des sciences humaines et sociales en recherche technologique par le groupement d'intérêt scientifique UTSH, euh, qui rassemble en fait les chercheurs en sciences humaines et sociales. Du groupe euh, des universités de technologie françaises. Et elle a été euh, finalement, euh, à ce moment-là, euh, son intervention sur les promesses ou la façon des promesses technologiques a été pour moi euh, comme une révélation. Euh, vous savez, ce genre de rencontre un peu rare dans une vie qui ne vous laisse pas indemne. Euh, tout d'abord, pourquoi Parce qu'elle euh, a une, une étendue de connaissances assez importante sur ces sujets-là. Elle a accumulé sur ce sujet euh, une expertise dont vous pourrez euh, vous rendre compte. Puis également par son énergie, vous verrez euh, qu'elle a beaucoup d'énergie, son engagement, voire euh, son courage. Et en effet, il en faut de l'audace pour affronter le monde masculin de la mine. Euh, qui, dans de nombreuses régions du monde, euh, est euh, un monde où la femme euh, est considérée comme portant malheur. Alors elle vous dira peut-être pourquoi, euh, mais voilà, une femme dans une mine, ça n'est pas évident. Aussi euh, également de l'audace, parce que euh, quand elle révèle un certain nombre de pratiques, elle peut, dans un certain nombre de circonstances, être persona non grata sur les terrains euh, qu'elle étudie. Alors, ce qu'elle a à dire, finalement, euh, c'est, lors de ce colloque, ce qu'elle a dit, finalement, j'avais le sentiment que je le connaissais déjà, que ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais confusément, par bribes, euh, rien de bien concret. Euh, et, en fait, face à cela, cette réalité documentée dont elle témoigne... Et que vous allez entendre, il m'a semblé justement important de la faire partager, notamment aux futurs ingénieurs qui sont dans cette salle, qui vont concevoir les objets technologiques de demain, et plus généralement à vous tous, à nous tous, qui influençons par nos modes de consommation les choix technologiques qui seront effectués. Mais ce qui m'a peut-être le plus frappé euh, encore plus que l'exposé implacable des impacts environnementaux, humains, sociaux, géopolitiques, sanitaires euh, de, euh, de, de nos modes de production et de consommation actuels et des promesses technologiques du XXIe siècle, eh c'est l'assurance que rien n'est inéluctable et qu'il est de notre responsabilité individuelle et collective de reconstruire des possibles. Donc Aurore Stéphane, que je vais vous présenter, est ingénieur géologue minier et diplômée de l'école nationale supérieure de géologie de Nancy en 2009. Elle a ensuite, pendant une petite, un peu moins de 10 ans, de 2010 à 2018, et, et elle a été experte euh, après mine. Elle vous expliquera ce que cela signifie, de l'État français, notamment au sein du BRGM et également du groupement d'intérêt public Géodéris. Et dans ce cadre, elle a été co-responsable de l'inventaire des déchets miniers, en application d'une directive européenne en la matière, et elle a été en charge de plusieurs dizaines d'études sanitaires et environnementales. Le sujet à l'époque. Quand euh, Aurore a, a commencé son activité professionnelle, était relativement novateur, hein, donc euh, au début des années 2010, et elle a ainsi participé à la mise en place des méthodologies associées euh, qui font aujourd'hui référence. Donc après une brève expérience en Suisse dans l'évaluation des critères euh, ESG, c'est-à-dire de RSE, hein, environnementaux, sociaux et de gouvernance des plus grandes compagnies minières mondiales elle a choisi de devenir ingénieure de recherche pour le compte d'une association qu'elle a d'ailleurs contribué à créer, qui est l'association Systex, dont elle est actuellement d'ailleurs salariée. Alors, à côté de son activité professionnelle, de son métier, eh bien, elle a consacré, depuis une quinzaine d'années, une partie de son temps libre à des travaux personnels, justement des travaux de recherche sur les questions minérales. Euh, elle s'appuie notamment sur des enquêtes de terrain régulières, lui ayant permis de visiter jusqu'à environ 200 sites miniers en France et à l'étranger. Donc elle va sur le terrain, ses études sont documentées. Et pour cela, pour rester au plus près justement des réalités de terrain, elle a interviewé de nombreux acteurs des acteurs euh, effectivement de l'industrie minière mais aussi des centaines de chercheurs de militants et de citoyens qui sont impliqués voire euh, enfin qui sont affectés voire parfois euh, enfin concernés de près ou de loin mais parfois euh, plus que cela euh, dans l'exploitation justement euh, minière donc je vais lui laisser la parole pour un exposé d'environ euh, trois quarts d'heure et ensuite nous aurons un, un débat alors un débat avec les personnes qui sont présentes dans cette salle, mais également avec nos auditeurs à distance qui vont pouvoir effectivement laisser un certain nombre de questions sur le chat de, du, du site YouTube sur lequel est retransmise cette conférence. Et c'est John qui va faire la régie, voilà, et qui euh, euh, sera votre voix pour poser des questions à Aurore Stéphan. Voilà, je remercie Aurore. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Toutes et à tous, et merci encore une fois d'être venus aussi nombreux. Euh, je suis très embarrassée par la présentation ô combien améliorative de Nathalie. Merci beaucoup. Euh, donc, juste pour les questions d'après-mine, c'est vrai que c'est souvent un sujet qui est un peu obscur. En fait, il y a à peu près un millier de sites miniers qui ont été exploités pour les métaux en France métropolitaine or, charbon et uranium. Et donc, lorsque j'étais au sein de ce groupement d'intérêt public, mon travail était de réaliser des études sanitaires et environnementales sur d'anciens sites miniers, voire très anciens sites miniers, dont les pollutions posent toujours problème aujourd'hui. Et on va voir pourquoi euh, bah avec la présentation que, que je vous propose ici donc trois axes euh, tout d'abord euh, un premier axe de, sur les modèles de développement et matières premières minérales l'objectif étant de réintégrer la question des matières premières minérales au sein de notre modèle de développement de notre consommation de ce qu'on a été de comment on a industrialisé nos sociétés. un deuxième point sur les réalités de ces filières là donc en termes d'impact, donc en priorité humain, sociaux, environnementaux. Alors, on fera, tenant compte que le temps est un peu, je dirais, court, on travaillera surtout sur les questions environnementales pour aujourd'hui. Et l'objectif, ensuite, c'est d'ouvrir ces deux aspects-là sur justement la question de comment. On va assurer la, les, la transition énergétique et la question des métaux, comment on va faire en sorte que tout ça se combine. Et je conclurai sur des perspectives, parce que comme le disait euh, Nathalie, je ne prétends pas à l'exhaustivité des solutions que le monde entier doit mettre en œuvre pour assurer sa transition énergétique. Par contre, je pense qu'il y a des perspectives qui peuvent être d'ores et déjà dressées au regard des éléments que je vais vous, vous présenter. Alors, simplement une introduction sur l'association. Il me semble que c'est important de savoir. Euh, quelle est cette structure. L'association Systexte elle est née en 2009 au sein d'une fédération d'associations qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, qui à l'époque voulait voir émerger des groupes de professionnels qui étaient capables en fait, de remettre en cause leurs responsabilités, leur esprit critique euh, et dans le cadre de leur métier. J'ai cofondé donc, avec un autre ingénieur géologue minier l'association en fait, au regard de... De faits dont nous avons été témoins, auxquels on n'avait pas été préparés lorsqu'on était étudiant, et on a été confronté sur le terrain où on a recueilli des témoignages de proches de collègues qui ont été très choqués parce qu'ils ont vu dans l'industrie minérale. Et au départ, on a créé ce groupe pour dire :« Écoutez, il y a un groupe. Certes, c'est notre métier, mais on n'est pas obligé d'accepter, et donc on veut se poser ces questions-là. » Au niveau euh, du travail, en fait, il faut savoir qu'on se concentre exclusivement sur les filières minérales euh, et depuis, donc, il faut, on travaille à la fois savoir qu'à l'usage des métaux. Euh et l'objectif, en fait, ce n'est pas d'isoler la réflexion sur qu'est-ce qu'une activité minière, qu'est-ce qu'une technique minière. L'objectif est de, et c'est là que l'exercice commence à être compliqué, ça va être de repenser la technique dans ces environnements. C'est-à-dire ne pas isoler la technique comme étant quelque chose en soi qui est neutre ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est au contraire de prendre cette technique et de la réfléchir dans ses enjeux environnementaux, humains, sociaux. C'est là que ça commence à être particulièrement compliqué, délicat dans le cadre des filières minérales et on en reparlera bien sûr après. Et notre objectif, notre objet social, c'est de faire émerger dans le débat public la question des ressources minérales et de permettre sa réappropriation par le plus grand nombre. Il est vrai que depuis cinq ans, la question est de plus en plus présente dans le débat public et notamment dans les médias. Mais sachez qu'au départ, quand nous on a créé l'association en 2009, on n'en parlait pas du tout. C'était complètement invisible la question des ressources minérales. Donc l'objectif était aussi pour nous de dire la question des ressources minérales est aussi importante que l'agriculture ou l'énergie. Il faut que chacun, si chacun peut aujourd'hui décider d'aller euh, travailler avec telle ou telle entreprise ou de, euh, et de consommer de telle ou telle façon, il faut donner les moyens aux citoyens de participer aux mêmes débats et, au même, et réfléchir aux mêmes enjeux sur la question des matières premières minérales. Alors notre positionnement est intermédiaire, c'est-à-dire que qu'on n'est pas opposé à toute activité minière, on n'est pas une association anti-mine. Par contre, notre objet, c'est de dénoncer fermement les pratiques qui sont inacceptables. Et on en verra un certain nombre ce soir, bien que je ne puisse dresser le tableau que rapidement, au regard du temps qui m'est donné. Et le gros travail de Systex, c'est tout ce qui doit être dit et basé sur des études de longue haleine, parfois des milliers d'heures sur un seul sujet de façon à ce qu'on puisse globaliser parce que ce dont on discutait notamment tout à l'heure avec nathalie c'est que lorsque vous voulez des publications qui sont systémiques par exemple sur des appareils ou sur toutes les filières ou etc vous n'en avez pas vous avez des publications souvent qui sont orientées sur un métal un pays un site minier donc le gros travail qui est fait aujourd'hui par Systext aussi c'est de, de travailler beaucoup de documents pour avoir une vision d'ensemble et c'est ce travail de, de, de pour peindre ce tableau un peu général que je vais essayer de, de réaliser, de peindre ce tableau avec vous ce soir sur les questions énergie et métaux. Donc, quatre grands champs d'activité pour l'association et je conclurai là-dessus. Premier champ qui est la question du soutien, c'est-à-dire qu'on euh, vient en appui d'associations locales, d'associations nationales ou internationales qui sont en lutte sur des questions minières et qui euh, ont besoin de réponses. Ça concerne en particulier des associations où on a des problèmes sanitaires, par exemple, ou des problèmes environnementaux accompagnement de la société civile et expertise, à savoir que du coup notre travail c'est d'expliquer les techniques minières, comme je vais le faire ce soir, les impacts, pourquoi, quels sont les enjeux de ces filières-là, de sensibilisation, vous le verrez aussi, à savoir que pour qu'il y ait une réappropriation du grand public, encore faut-il que le grand public sache où sont les métaux dans son quotidien, donc sensibiliser, où est-ce que c'est, à quoi ça sert, et de veille citoyenne et de formation, euh, notamment avec beaucoup d'enquêtes de terrain, on en parlait tout à l'heure euh, avec Nathalie. Alors, s'agissant du modèle de développement et des matières premières minérales, je commencerai par dire un des précisions de l'association, à savoir que les matières premières minérales sont la pierre angulaire de notre modèle de développement. Et que euh, elle est à la fois, c'est intéressant, parce qu'elle est à la fois pierre angulaire et paradoxalement, elle est face cachée. C'est-à-dire que même si de plus en plus on se rend compte qu'un ordinateur ou qu'un téléphone portable peut contenir des métaux, on n'est pas forcément conscient, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, on va prendre cet exemple-là pour vous marquer, l'agriculture industrielle repose sur l'usage massif d'engrais et les engrais reposent sur le minage massif de phosphate et de potasse. Si vous enlevez ces deux substances qui sont minées aujourd'hui à l'international, vous enlevez les engrais et vous pénalisez l'agro-industrie. Ça, c'est pas su. Le fait que vous ayez euh, énormément de métaux ou de matières premières minérales dans la construction, même si ça s'entend. On, on, on pressent par exemple la notion de béton on pressent beaucoup moins euh, notamment la question de l'aluminium, par exemple, dans la construction, alors que c'est fondamental. Donc il faut vraiment se dire que y a, y a, le, le métal est quasiment partout, euh, y compris notamment dans la cosmétique. Énormément de substances et de matières premières minérales dans la cosmétique dans l'alimentation. Euh, ça a notamment été euh, mis en lumière sur les oxydroxydes d'aluminium pour euh, certaines pâtisseries ou autres. Et ce qu'il faut voir, en fait, et je reprends ici une citation de Patrice Chrisman de 2020... En fait, il faut voir que la production de matières premières minérales et la production industrielle, en fait, elles sont liées par des boucles de rétroaction, si je le cite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup, l'industrie a une idée, elle passe un coup de fil à la mine, la mine lui dit ⁇ T'as besoin de quoi ?⁇ J'ai besoin de 10 kilos de machin. Non, pas du tout. En fait, au fur et à mesure du temps, la mine a alimenté les besoins de l'industrie, mais l'industrie a aussi alimenté les besoins de la mine. Pour illustrer cela, en fait, je reviens un petit peu sur une caricature. Mais qui peut être intéressant de mettre en évidence ici. Euh, typiquement, la première révolution industrielle, on s'accorde tous à dire oui, c'est euh, euh, le charbon et euh, la machine à vapeur. La raison pour laquelle l'industrie a développé ça en priorité, c'est qu'il nous fallait des machines qui étaient capables de pomper à gros débit des eaux souterraines. Pourquoi Pour exploiter le charbon. Donc les premières machines à vapeur n'ont pas été utilisées pour euh, le chemin de fer ou euh, les machines à vapeur ferroviaires, mais bien parce qu'on avait besoin de pomper les eaux, parce qu'on était arrivé aux limites de l'exploitation du charbon. Autre exemple, si on parle de la deuxième révolution industrielle avec l'acier et la sidérurgie, si on pense au chemin de fer... Le premier chemin de fer qui a été mis en, en activité sur le territoire métropolitain, ça date du 30 juin 1827. C'est la ligne Saint-Antienne-Andrézieux et c'était pour transporter quoi Du charbon. Voilà. Donc, encore une fois, garder ces, ces histoires en tête, ce n'est pas pour rien en fait. L'industrie voilà, répond à la mine, la mine répond à l'industrie. Euh, troisième révolution industrielle avec l'uranium est ce que je vais appeler à partir de maintenant les petits métaux, c'est à dire les métaux qui ne sont pas les métaux de base. souvent quand on parle métal, on pense aluminium, on pense cuivre, on pense fer. Il y a tout un panel de ce qu'on appelle des petits métaux comme l'antimoine, le germanium, le gallium donc voilà on en reparlera un petit peu après. Et aujourd'hui on est dans une phase que je vais vous présenter à savoir qu'on est dans une phase de croissance minérale. Je pense que croissance, c'est encore en dessous de ce que j'aimerais vous faire passer comme message, parce qu'en fait, le croissance, on a l'impression que ça augmente doucement. Mais là, c'est exponentiel, ce qu'on est en train de vivre sur les ressources minérales. Donc, en 30 ans, globalement, il faut savoir que l'UNEP nous explique que la demande en métaux a augmenté de plus de 87%, jusqu'en 2008 à peu près. Et les quantités annuelles qu'on estime produire d'ici l'horizon 2050, c'est 3 à 10 fois. Les niveaux actuels. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup, 3 à 10 fois en même temps, 3 à 10 fois, qu'est-ce que ça représente En l'occurrence, on, on va le formuler autrement, et là, je me base sur une publication d'Olivier Vidal de 2020. La quantité cumulée de métaux à produire au cours des 35 prochaines années, c'est-à-dire 2015-2050, ça équivaut à la quantité cumulée de métaux que nous avons produits depuis l'Antiquité. Gardez bien ces ordres de grandeur en tête. On parle d'une demande et d'une croissance exponentielle. Alors, il y a, et j'en parlais tout à l'heure, il euh, y a une espèce de... Aujourd'hui, je disais, il y a de plus en plus de médiatisation de ces sujets-là, mais cette médiatisation, en fait, se fait beaucoup au regard de ce que vous entendez peut-être parler sous le nom de métaux ou de métaux critiques ou de métaux rares. J'aurai pas le temps, là, pendant cette présentation, de revenir sur les sémantiques associées, mais c'est bien des termes différents, il faut pas tout mélanger. Par contre, en fait, ce qu'on oublie de dire en fait, c'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire que c'est tout notre modèle de développement de base qui se repose sur le métal. On va dire métal, en fait, c'est les matières premières minérales, c'est-à-dire les métaux et puis un certain nombre de ce qu'on appelle les minéraux industriels. Ça peut aller par exemple du gypse qui est nécessaire dans la réalisation du placo-plâtre. ça peut être le sable qui est nécessaire à la réalisation des bétons, ça peut être le marbre qui est nécessaire à la pierre d'ornement, voilà. Donc il faut vraiment considérer tout ça mais en l'occurrence si on prend globalement euh, la question euh, des métaux et des matières premières minérales il ne faut pas oublier en fait que ce dont on a, beso dont on a besoin pour nous développer pour nous industrialiser et si je reprends notamment des travaux de, aussi de vidal donc de olivier vidal de l'université de grenoble en fait ce qu'on observe c'est que lorsque un pays se développe au-delà, enfin, si vous voulez, jusqu'à un certain PIB, donc entre 15 000 et 20 000 dollars par habitant, on constate en fait qu'on va principalement développer, on va dire, la base en termes de développement, et donc on va plutôt faire appel à des métaux de base, l'aluminium, le titane, le fer, l'acier, etc. Mais que passer cette deuxième phase, on va faire appel à des nouveaux métaux pour aller vers des techniques, alors je vais mettre des grosses guillemets, hein, techniques innovantes. Et que du coup, nous, en l'occurrence, en particulier en France, puisqu'on si on peut parler de notre pays, on serait plutôt dans cette deuxième phase actuellement, qui, elle, va faire appel à des nouveaux métaux, en plus petite quantité, et avec des utilisations qui sont très dispersives. C'est-à-dire des toutes petites quantités où on a besoin de métaux très, très purs, et en général pour des produits qui sont avec des technologies, avec des forts turnovers, c'est-à-dire des durées de vie qui sont courtes. Et donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, la demande métallique, elle n'est pas liée seulement à ce qu'on dit beaucoup, hein, peut-être un peu trop d'ailleurs dans les médias, à savoir oui, mais on a besoin de métaux et on a besoin de mines parce qu'il y a euh, la transition énergétique et numérique. Certes, c'est vrai qu'elle compte dans la consommation, mais typiquement, la transition du numérique et de l'énergie, elle, elle a effectivement son poids, mais n'oubliez pas notamment qu'il y a des pays émergents. Qui sont en train d'arriver au niveau d'industrialisation et de développement qui est équivalent et nôtre, et que cette évolution va énormément impacter la demande minérale et comme d'ailleurs on l'a vu avec un vrai retour d'expérience par exemple sur la Chine ces dernières années et le développement n'est pas terminé. Donc ça, du coup, voilà, gardez bien ça en tête. Ça, c'est pour la question des quantités. Ça, c'est en masse. Ce qui est très important et qui va beaucoup, avoir, enfin qui va avoir des énormes influences sur la suite de mon discours c'est qu'on n'a pas une évolution seulement quantitative, mais aussi qualitative. On estime que de 1970 à 2000, on a augmenté le nombre de métaux utilisés dans les appareils industriels par 3, de 20 à 60. Et ça, ce pas sans conséquences. Je vais vous montrer un schéma tout, tout de suite après, où euh, du coup, on va regarder notamment les conséquences que ça peut avoir sur... Là, je tire ça d'un outil de sensibilisation qui a été mis en place par Systexte pour vous présenter ou illustrer ce que je vous disais à la base. Donc ça, vous pouvez le trouver sur le site internet de l'association, ça s'appelle Métaux Boulot Dodo. Et là, on a pris des objets, alors on a pris un véhicule thermique simple, hein. on pourrait continuer largement à rajouter des métaux pour un, une, un véhicule, par exemple hybride ou électrique, on en reparlera après, mais des, on intéressé à des objets tout bêtes, une revue, un, un set de maquillage, un frigo, ou un goûter avec un emballage, etc. Vous voyez déjà que à gauche, je sors de pas mal de substances minérales, enfin de métaux. À droite, je sors tout un ensemble de minéraux. Certains vous les connaissez. Par exemple, le sel classique que vous utilisez, celle de table, qui est largement utilisée dans l'agro-industrie, et d'autres, ou la lazurite, ou la silice, la bentonite ou la smectite, qui sont des argiles. Donc, déjà. Avant même de regarder les énergies, la transition, etc., dites-vous que de base, on est des gros consommateurs de métaux et de matières premières minérales. Si on regarde dans un téléphone, ça c'est un autre outil qui a été développé par Systex, qui s'appelle Outil des métaux dans mon smartphone. En fait, une étude qu'on a faite en, qu fait en 2017, qui visait à comprendre la composition métallique moyenne d'un téléphone, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est qu'on a peu d'accès aux données. Première problématique. Deuxième problématique que l'on a, c'est que chaque modèle varie. En fonction des marques et des modèles, les composants diffèrent, donc les métaux diffèrent. Vous avez ici 61 cartes pour 52 substances, ce qui est déjà plus de la moitié des substances disponibles dans le tableau de Mendeleev, on va dire classique. Quoi. Prenons un objet qui attire toujours mon attention, celle des de l'économie d'énergie, prenons une ampoule. Quand même, le bien euh, économie d'énergie, on nous explique qu'il faut arrêter avec les ampoules classiques, il faut utiliser des ampoules basse consommation, rien que cette économie d'énergie, elle, elle a une implication minérale. C'est-à-dire qu'au-delà, effectivement, donc là, je vous présente des pourcentages en marche, je tire ça d'une publication de, de Conso Globe du 19 janvier 2009, ça date un petit peu, mais ça, vous, ça donne des ordres de grandeur qui sont utiles. Le verre, certes, en masse représente déjà 88%. Il faut le faire, le verre. Déjà. Et ce n'est pas un verre classique. Hein. Il va falloir déjà fabriquer ce verre-là. Ensuite, vous avez du fer, de l'aluminium et du cuivre qui vont notamment composer les contacts et les culots. Puis après, il faut recouvrir l'intérieur du tube. Donc on va le recouvrir avec des euh, terres rares en, sous forme de silicate ou d'aluminate. Et parfois même, alors on a vu une très nette diminution dans le cadre de directives européennes, notamment pour ceux qui la connaissent, la directive ROHS hein, sur les contaminants qui sont particulièrement dangereux. Mais du coup, on a vu une très nette baisse, mais il reste encore euh, des ampoules aujourd'hui, qui sont en tous les cas en, en, toujours en, utilisées, avec en plus des très faibles proportions de mercure, tout de même, mais il y a quand même du mercure. Donc dites-vous que... Cette lampe basse consommation qui attire toutes sortes de promesses parce qu'on a l'impression que quand on allume le bouton chez nous, on a le droit de l'utiliser plus longtemps, l'ampoule, parce qu'en fait, finalement, on fait des économies d'énergie. En l'occurrence, elle, elle porte euh, une vraie densification minérale. Vous voyez Rien qu'avec une ampoule basse consommation. Alors, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on arrive dans les objets euh, les plus avancés en termes de transition, et je pense notamment aux véhicules électriques. Donc, vous avez ici. Un dans lequel en fait j'ai euh, repris une publication fort intéressante qui justement se donnait l'objectif d'avoir une vision systématique des choses de l'ECU Institute de 2011. Et les, euh, enfin, les substances qui sont contenues dans un véhicule, alors qu'on va dire électrique avec des très grosses guillemets, puisque ça intègre, en fait, c'est une valeur moyenne, un peu comme ce que Systex a fait sur le téléphone. On a considéré plusieurs types de véhicules, et notamment aussi dans cette étude de l'électrique et de l'hybride. Voilà, à garder quand même en tête. Ceux qui sont en vert foncé, c'est ceux qui ont été étudiés, un petit peu plus dans le détail, dans cette publication. Ceux qui sont en vert clair, ce sont ceux qui sont mentionnés au début de publication, en disant, bah, de fait, ceux on les a, point barre. Vous avez ici 68 substances, chaque substance a sa propre filière, ses propres acteurs, ses propres mines, ses propres pays producteurs. Alors, parlons-en justement des réalités des filières. Qu'est-ce qui se cache derrière ce tableau de Mendeleev du véhicule électrique Vous avez en haut à gauche la photographie de ce qu'on appelle un minerai d'or et d'argent. Son nom c'est un sulfure de nickel. Donc, au tout, 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 tout départ du nickel, d'abord, il y a ça. Et ça, c'est en souterrain, et c'est dispersé dans un, un amas rocheux énorme. Et votre objectif à vous, en tant que mineur, ça va être de récupérer, veuillez m'excuser, uniquement les paillettes de ça. Sauf qu'autour de ça, eh bien, il y a plein de choses. Et c'est notamment illustré ici. Je tire cette publication donc, de Jean-François Labbé de 2017 qui travaillait en fait, sur les filières et qui regardait ce qu'on appelle les coproduits. C'est-à-dire que dans une mine d'or, par exemple, il y a d'autres métaux et certains sont en concentration suffisamment intéressante pour que vous exploitiez l'or et les autres substances. Donc c'est une analyse des coproduits. Donc si vous regardez le cuivre, allez, on les va les lister ensemble. On va vérifier si on se souvient un peu des... Supposons... Merci J'ai pas fait d'erreur C'est bon Ah bon bah J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Le fait est, est que ce qui est important dans cette description c'est que si tous les éléments alors bien sûr qu'on va me dire et c'est vrai la géologie étant telle que de fait c'est pas parce que vous avez un gisement de cuivre que vous avez toute la série. Ça c'est vrai. Par contre, le plus souvent vous en avez beaucoup. Par exemple, souvent dans les gisements d'or, c'est très fréquent qu'on ait beaucoup d'arsenic. Donc si tu es intéressé, vous le comprendrez bien que par ces paillettes-là mon travail dans la mine, c'est pas d'aller chercher le caillou noir là. Ça, c'est une petite partie du travail. Et c'est la vision qu'on a aujourd'hui de l'exploitation minière en disant on a des gros camions ou des pioches ou des mineurs dans des galeries. Mais ça, c'est le tout début. Votre objectif, ça va être de récupérer les paillettes. Donc il va falloir déjà commencer par broyer ça et sélectionner ce qui est intérêt, c'est-à-dire en l'occurrence le minéral de sulfure de nickel, du reste. Mais quand vous allez jeter le reste, la série qu'on vient de voir là, elle va où Dans le reste. Alors regardons un peu plus dans le détail. On va se... Pour que vous compreniez, en fait, la, v... la mine, c'est cette partie-là, c'est la partie de gauche en général. Mais ça, c'est les filières minérales. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre la filière cuivre. Dans un gisement de cuivre, donc là où vous allez exploiter par... en... en teneur, c'est-à-dire la quantité de métal qui vous intéresse dans le gisement, pour le cuivre, vous êtes entre. 0,4 et 2%. Ça, c'est pour le cuivre. Si je garde entre 0,4 et 2%, ça veut dire que j'en jette entre 99,6 et 98%. Lorsque l'on s'intéresse, par exemple, je vais vous donner d'autres ordres de grandeur pour un certain nombre de métaux. Lorsque l'on s'intéresse, par exemple, euh, du coup, hop, lorsque l'on s'intéresse euh, au plomb. On est autour de 1%, avec des gisements qui sont particulièrement riches, qui montent jusqu'à 12. Lorsque l'on s'intéresse à l'uranium, on est autour de 0,1-0,3%. On est en dessous du pourcent. Lorsque l'on s'intéresse maintenant à des, compliqués, le platine, on grammes par tonne, 3 à 6 grammes par tonne pour les gisements d'Afrique du Sud. Quand on s'intéresse à l'or, la moyenne internationale, c'est 1 gramme par tonne. Ce qui signifie que pour une tonne de roche extraite et traitée, il n'y aura qu'un gramme de métal qui sera récupéré in fine. Donc si on prend l'exemple du cuivre, on part avec une teneur, on a dit, de 0,4 à 2%. On se souvient, nous, on veut récupérer que les paillettes dorées. Donc on va commencer par faire ce qu'on appelle la concentration. C'est-à-dire que nous, on veut une concentration de paillettes dorées. On ne veut pas le gris et le blanc qui se trouvent autour des paillettes. Donc on va broyer. Cuivre, ce qui se fait classiquement en termes de concentration, c'est ce qu'on appelle la méthode de flottation. On va broyer à 0,1 mm, ordre de grandeur. Donc c'est une farine. Donc on va extraire la partie qui nous intéresse où il y a le plus de paillettes dorées, le plus de sulfure de cuivre ici. On va prendre cette partie-là et on va jeter tout le reste déjà autour du site. Et ce qui nous intéresse, où il y a le plus de paillettes, on va l'amener dans une usine. Et là, on va concentrer, c'est-à-dire qu'on va enlever tout le gris et le blanc qui est autour pour obtenir uniquement un concentré de chalcopyrite. La teneur du concentré qui sort de la mine est autour de 31%. Ça, ça fait pas du cuivre encore. Hein vous avez juste un concentré de minéral qui contient du cuivre. Ça, c'est ce que va produire la mine en général. Il y a des mines qui vont plus loin, ou sinon, ça passe dans d'autres sites, ça part à l'international dans d'autres sites, l'extraction chimique. C'est-à-dire que si on prend notre minéral, si vous le zoomez, là, votre minéral, bien vous avez les atomes de cuivre en gris foncé et les autres atomes de la chalcopyrite en gris clair. Et nous, on veut que du gris foncé, on veut que du cuivre. Donc là, typiquement, 80% de la production mondiale, elle utilise la pyrométallurgie, c'est-à-dire en fait, on brûle les minerais de façon schématique et on va du coup obtenir ceci, ce produit-là, qu'on appelle un blister, qui contient 98 à 99,5% de cuivre. Ce n'est toujours pas le produit fini. Ça repart dans d'autres usines pour le raffinage. Et une fois que ça part dans le raffinage, on peut arriver. Donc, on va encore faire des, un certain nombre de techniques, de la chaleur et de l'électrolyse, peu importe. Et on va obtenir ce qu'on appelle une cathode, c'est-à-dire un produit, comme vous le voyez ici illustré, qui contient 99,99% ,99 de cuivre. C'est ça qui va être utilisé, in fine, qui va repartir dans d'autres usines pour faire des produits à base de cuivre. Par exemple, du câble pour l'électrification, si on parle de l'usage majoritaire de, du cuivre aujourd'hui. Ça va le schéma global c'est bon pour vous. Ce schéma-là, vous pouvez l'adapter à plein, plein, plein de substances. Hein, le nickel, le, le plomb, le zinc, ça fonctionne comme ça. L'or, c'est un petit peu différent, mais globalement, ça fonctionne comme ça. Sauf que l'extraction chimique est un peu particulière parce qu'elle se fait en voie aqueuse avec des cyanures pour 80 de la production mondiale d'or. Mais voilà, globalement, c'est ce schéma qu'il faut que vous ayez en tête. Alors, si du coup on compte de ce que ça représente vous avez cet excellent photographe qui s'appelle Dylan Marshall qui a fait en fait des représentations, vous avez les références sur la droite, qui a fait en fait des représentations de quand vous prenez un open pit, hein, donc ces mines à ciel ouvert, il a essayé de représenter la quantité de métal qui provenait en fait de cette mine, pour essayer de se rendre compte. Sachant que vous voyez le trou, alors là on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas d'ordre de grandeur, mais le trou est très 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 grand, et il faut imaginer que les déchets, qui vont être générés à chaque étape, parce qu'on l'a dit, on va jeter, vous vous souvenez, 99% ou autre. Ces déchets vont représenter des surfaces en emprise par rapport à l'emprise du trou, si vous voulez. Si vous prenez la surface du trou et que vous comparez aux surfaces de là où on dépose les déchets, on a des ordres de grandeur de 5 à 10, voire plus, en termes de surface. Donc c'est une industrie, l'industrie minérale, qui est extrêmement prédatrice et extrêmement impactante. Et le premier problème de la mine, c'est effectivement déjà les conditions de travail. C'est-à-dire que ça reste une industrie qui est, euh, reste une industrie dangereuse de fait. C'est connu, même si progressivement on constate aujourd'hui qu'il y a de moins en moins d'accidents mortels et de moins en moins de blessures, notamment dans les mines industrielles. Le discours ne serait pas vrai si on parlait de plus petites mines. Là, ce serait un autre débat. Mais de fait, on a encore énormément de problèmes et notamment de violations de droits humains. Tous les ans, Global Witness sort un inventaire. Où ils référencent en fait les violations de droits humains et les meurtres des personnes qui sont des défenseurs de l'environnement et des défenseurs des droits, de, enfin, défenseurs de l'environnement euh, partout dans le monde en fait. Et on les, ensuite ils font des statistiques par secteur. L'industrie minérale depuis plusieurs années est toujours en pôle position. Ça vous donne ce genre d'ordre de grandeur. L'industrie minérale elle est souvent en pôle position de ce qui va pas malheureusement. Également en termes sociaux. Les mines, alors c'est de moins en moins vrai avec la mécanisation, mais les mines polarisent si vous voulez une forte main d'œuvre. Donc on va attirer une forte main d'œuvre. Il n'est pas rare qu'on ait des afflux massifs de migrants euh, du pays, intra-pays ou étrangers. Les deux sont possibles. Le fait est, en fait, c'est que ces afflux massifs perturbent. Euh, les sites. Même quand il y a finalement peu de travail, il y a tellement d'intérêt aujourd'hui à travailler dans une mine parce que notamment, et il voilà, ne faut pas faire de caricature sociale, mais on constate quand même que généralement on a même plus de gens qui viennent que de capacités d'embauche en local. Au niveau des impacts environnementaux, je vais les détailler après, donc je ne reviens pas dessus, mais aussi des impacts sanitaires qui seront liés aux impacts environnementaux. Cet outil, en fait, je vous incite vraiment à aller le voir. Il s'appelle La mine prédatrice et dangereuse. Et c'est un travail de systématisation que Systex a fait, où on a travaillé sur plusieurs centaines de sites miniers dans le monde. On a étudié entre 10 et 20 ressources bibliographiques par site. Ça fait du boulot. Et on a regardé quelles étaient les grandes tendances pour savoir en fait quels étaient les impacts sanitaires humains, sociaux, environnementaux, qui revenaient systématiquement. Donc cette synthèse, je vous invite fortement à la consulter. Mais parmi les impacts majeurs, comme je vous le disais, le traitement du minerai est tel qu'on va voir deux phases. En début, quand on va extraire le minerai, je vous... on va aller chercher le bloc noir et on va jeter tout ce qui est autour du bloc noir. C'est ce qu'on appelle les stériles. Donc les stériles, c'est ces cailloux. Qui sont juste à côté de l'objet qui vous intéresse, dans le, dans le souterrain, mais qui ne sont pas assez intéressants pour partir à l'usine pour être traités. C'est ça qu'on appelle des stériles. Ça n'a rien de stérile. Hein. Les métaux dont je vous ai parlé, etc., ils sont dedans. Donc là, vous avez par exemple un exemple de stérile pour une mine de, de charbon en Australie. La phase de concentration, donc on a un concentré, hein, qui n'est pas encore le métal, mais qui se rapproche en tous les cas. Là, en fait, on va générer ce que vous voyez en dessous, des résidus. Et vous avez sous les yeux l'un des principaux problèmes de l'industrie minérale en termes environnementaux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des parcs à résidus. C'est le même principe qu'un barrage hydroélectrique, finalement, sauf que la, la digue qui retient n'est pas en béton armé de fou. C'est simplement en fait, du déchet minier. Qui est trié, donc souvent on le fait par ce qu'on appelle hydrocyclonage. Donc en fait, on va trier un certain nombre de grossiers, on va générer une digue pour pouvoir stocker derrière. Des digues de résidus miniers, en, nous on en a vu un peu partout dans le monde, enfin moi j'en ai vu un peu partout. Et ça, c'est, ce sont des objets qui sont extrêmement problématiques. Les bouts que vous mettez, que vous stockez derrière, ce sont des bouts qui contiennent des grandes concentrations de métaux. Donc si vous voulez un équivalent pour les anciennes nomenclatures, ceux qui voient les décharges de classe 1, là, les décharges de classe maximum, c'est un équivalent de ça, souvent. Et c'est ça qu'on stocke en pleine nature, sans protection aucune, uniquement avec cette espèce de, de, de digue. Et de plus en plus, maintenant, les industriels sont invités à mettre des protections en dessous. Chose qui n'existait pas avant. Maintenant, de plus en plus, on met des géotextiles à la base de ces ouvrages. Un gros euh, objet de ce type se trouve aujourd'hui au Chili. Il s'appelle Caïmanès. Il y a 2 milliards de tonnes de boue derrière. 2 milliards de tonnes donc, ce n'est pas des bébés barrages. quoi, hein. C'est massif. Et en général, le plus simple pour les stockages de résidus miniers, c'est effectivement de se trouver dans des zones vallonnées, c'est-à-dire entre différents lieux de montagne. On bloque au fond, si vous voulez. On a euh, bah, une topographie, hein, tout simplement, qui vous permet d'avoir un creux naturel. Et on va simplement barrer à un endroit et à un autre, éventuellement, et on va stocker les bouts derrière. Donc, là, vous avez un exemple aux États-Unis. Euh, vous avez ici un exemple en Zambie. C'est pour deux mines de cuivre, de fait. Les différences de couleurs dépendent bien sûr bah, de la géologie et, et des contenus. Euh, voilà. Je peux aussi vous l'illustrer avec d'autres cas, notamment dans le domaine de l'aluminium. L'aluminium, en fait, c'est une industrie qui est un petit peu à part, euh, puisqu'il s'avère en fait qu'avec euh, euh, l'acier et les bétons, ça fait partie des trois, euh, des trois filières les plus énergivores euh, aujourd'hui dans le domaine des filières minérales, encore une fois. Ce que vous voyez ici, c'est un peu comme la photo précédente aux États-Unis. On a cherché en fait, un fond de vallon, là on est en Inde, on a cherché un fond de vallon et on a rempli les bouts à l'intérieur. Parfois, ça fait des centaines et des centaines d'hectares. Hein. Euh, nous, on est allé en Roumanie, on a vu quelque chose qui faisait 130 hectares euh, en plein milieu d'une campagne. Euh, parfait, pareil, donc voilà. Donc là, c'est un petit peu particulier parce que par rapport au schéma que je vous présentais précédemment, ici, en fait, sur l'aluminium, on a déjà un minerai qui est assez concentré, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, autour de 50% d'aluminium. Donc, on aura finalement, cette partie-là sera peu développée. Par contre, c'est l'extraction chimique qui va, être complément... qui va être compliquée. Dans le cadre de l'aluminium, on extrait un oxyde d'aluminium, qu'on appelle, enfin, souvent vous avez peut-être entendu parler de la bauxite pour certains d'entre vous. Alors, c'est le type, après, il y a des minéraux, notamment... Euh, euh, le... Le... Je ne vais pas y arriver. Enfin, voilà, vous avez un, plus... un certain nombre de minéraux à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, la plus grande partie sur l'aluminium, ça va être l'extraction chimique. C'est-à-dire qu'il va falloir séparer l'aluminium de l'oxygène. Ça, c'est compliqué si on veut obtenir de l'aluminium. Donc on le fait en général à grand renfort d'énergie et de soude à savoir le produit qui est utilisé pour euh, notamment le nettoyage des sanitaires. Donc, Ce sont des produits assez basiques, et qu'on va stocker, pareil, sous forme de digues. Le problème des digues, ce n'est pas une vue de l'esprit. Là, je vous ai choisi deux exemples qui sont européens, parce que je ne veux pas qu'on cristallise euh, et qu'on stigmatise notamment. J'entends souvent des choses en disant oui, mais la réglementation sur le territoire euh, africain, elle n'est pas suffisante, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Donc, je vous ai pris deux exemples européens. Deux moments où la digue n'a plus tenu. Euh, je vous invite, si pour ceux qui sont intéressés sur les digues minières, à consulter des bases de données, notamment euh, Wise Uranium, qui est une base de données qui est tenue à jour, qui vous montre qu'il y a énormément de ruptures de digues, sauf qu'on n'en parle pas. Peut-être que certains ont entendu parler dans les médias d'une rupture de digue en janvier. De... Euh, Peut-être que certains d'entre vous n'en ont Une énorme coulée de boue qui a englouti notamment des ateliers euh, au Brésil, ça vous dirait... Voilà, c'est des gros épisodes. Donc ce genre de ruptures de digues sont juste catastrophiques, catastrophiques. Quand il n'y a pas de morts, les deux dernières au Brésil, il y a eu respectivement 2, 19 morts et 250 morts. Donc, quand il n'y a pas de morts, voilà. Pourquoi est-ce que c'est catastrophique Parce que je vous l'ai dit, un des produits chimiques qui sont utilisés pour la phase de concentration, il y a énormément de métaux à l'intérieur. Et ces métaux, par exemple, si je prends le cas de Collar, ici, la rupture de digue qui a eu lieu en 1998, une fois que c'est sont répartis partout. Ces métaux, en fait, ils sont difficilement assimilables et gérables par les organismes vivants. Alors, il y a des métaux pour lesquels c'est compliqué pour nous. Il y en a cinq, notamment l'arsenic, l'antimone, le plomb, le cadmium, le mercure. Ceux-là sont particulièrement compliqués pour nous. Les autres, on ne sait pas trop. On manque un petit peu de données, notamment pour le nickel, le chrome, le molybdène. La nature, elle, la faune, la flore, il y a des métaux qui sont complètement, entre guillemets, inoffensifs pour nous, qui sont beaucoup plus impactants pour eux. Et vu les concentrations de ces bouts-là, lorsqu'elles se, lorsqu se, se déversent, si vous voulez, dans l'environnement, on a des stérilisations. On ne parle pas d'hydrocarbures. Il n'existe pas de décomposition de la matière minérale. Le pire, si vous avez un atome de plomb dans l'environnement. L'atome de plomb il peut éventuellement changer de forme. Il va passer, par exemple, de l'état de sulfure, donc associé avec du soufre, à un état de sulfate associé à du soufre et de l'oxygène, voire pourquoi pas l'état d'oxyde voilà, euh, associé à l'oxygène. Mais le plomb, lui, il est là. Donc si on ne le déplace pas, il est là pour des centaines, voire des milliers d'années. Lorsque on en parlait tout à l'heure, j'ai travaillé sur des dossiers après mine. J'ai travaillé sur un dossier français où on avait en 2018 des problèmes de mortalité de veaux pour des mines de plomb romaines. Romaines. Et ces problématiques de pollution rémanente dans des sites en absolument pas une vue de l'esprit. Par ailleurs, du coup, vous imaginez que si c'était valable il y a 2000 ans, c'est-à-dire que tout ce qu'on génère actuellement, c'est valable pour 2000 ans après et notamment, il y a des ruptures de digressantes au Canada euh, ou euh, au Brésil. Mais je pense notamment euh, au cas de Montpolais en 2016, une rupture de digue. Il y a un collège d'experts qui est intervenu. Ils estiment que les pollutions dans le milieu, on est entre 5 et 10 000 ans minimum. Donc par rapport, comptez en génération. Donc ce ne sont pas des, sont des polluants qui sont souvent pérennes. Tout dépend des concentrations, tout dépend du gisement. Mais globalement, gardez ça en tête, ce sont des pollutions qui sont pérennes. Et le Souffre globalement le plus de l'activité minière. Donc certes, il y a ce gros problème de stockage de déchets qui reste un problème que ce soit à la phase de stérile et surtout à la phase de résidus, donc c'est boue. Mais le gros problème, c'est l'eau. C'est l'eau qui souffre le plus de la mine. Parce que l'eau est énormément sollicitée par la mine. La mine consomme beaucoup d'eau. En moyenne, les ordres de grandeur, même si personne n'est d'accord, on s'accorde quand même dans le domaine de l'exploit du traitement des métaux, donc la fameuse phase concentration là, dont je vous parlais concentration extraction d'ailleurs, on est entre 5 et 10 mètres cubes d'eau par tonne de roches traitées. Euh, les très gros sites cuivre, de cuivre, par exemple, on est autour de 200-3000 tonnes jour traitées en termes de quantité. Donc c'est des gros, gros ordres de grandeur. Donc ça demande beaucoup d'eau. Donc cette interaction intime avec l'eau, elle se fait au niveau de l'eau nécessaire pour traiter le minerai selon le schéma que je vous ai dressé tout à l'heure. Mais l'eau, en fait, du coup, elle est toujours là parce que vous êtes en train d'exploiter un terrain. Puis un souterrain, donc les eaux souterraines, elles sont là puisque vous creusez, donc, vous allez rentrer dans les eaux souterraines, donc vous allez les pomper parce que vous n'allez pas travailler avec un tuba. Donc de fait, vous allez les pomper. Quand vous les pompez, vous allez vous retrouver avec des eaux qui sont en contact avec des objets minéralisés, avec des, bah, avec toute la mine qui est autour d'elle. Donc eau, les objets minéralisés plus eau plus oxygène, ça s'oxyde et on peut retrouver des phénomènes comme celui-ci en Espagne de drainage. Voir des conduites qui pètent ou des bassins qui ne sont pas étanches comme ici en Russie, voir des ruptures de digues comme ici Brumadino en novembre 2015 où il y a eu 19 morts dans le village de Bento Rodriguez, puis après la coulée de boue a parcouru 500 km pour arriver à l'océan Atlantique. On estime aujourd'hui que le cours d'eau n'a sur 500 km. On l'appelait le Rio aujourd'hui on l'appelle le Rio Morte. On estime que c'est la pire catastrophe écologique qui se soit passée au Brésil. Et, euh, du coup, voilà. Et ça, par exemple, c'est un, un cas d'un exemple où on est intervenu sur un ancien site minier pour justement conforter une digue minière. Et en fait, euh, au moment de ce confortement, il y a eu un problème. La digue minière a rompu. Et là, on a eu une contamination massive en arsenic, cadmium, sur 160 km. Et ce ne sont que des exemples. Hein. Je pourrais vous en sortir euh, tant que temps. Et également, comme je le disais, des eaux souterraines. Là, vous avez en fait, une vue satellitaire. De la ville de Johannesburg. Je suis en, ici en plein cœur de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud. Tout ce que vous voyez en jaune et orange, ce sont des gros dépôts de résidus miniers. Alors là, pour le coup, c'est plat, qu'on n'a pas pu chercher un fond de talweg, etc. On les a montés. Bon. Donc, il faut savoir que le bassin minier du, qu'on appelle du Witwatersrand, donc c'est-à-dire cette grande zone qui est très très riche, euh, elle compte 6 milliards de tonnes de résidus miniers. Entreposés dans des parcs qui couvrent 400 km. C'est gigantesque. Ces dépôts, ils sont soumis au vent. Moi, j'y suis allée. À chaque fois qu'il y a un peu de vent, vous avez des poussières de résidus. Là, on est dans le vide Waterstrand, donc c'est des minéralisations complexes. Il y a énormément d'arsenic, il y a beaucoup d'uranium, il y a énormément de sel. Euh, donc, on parle de, de, de matériaux qui sont véritablement dangereux. Et là, on est en plein milieu de la ville de Johannesburg. Hein. Il y a énormément d'impact sur la qualité de l'air, justement, notamment sur l'aval filière que je vous présentais schématiquement tout à l'heure, des énormes problèmes sociaux et d'autres problèmes environnementaux encore. Je ne peux pas tout dresser ici. J'ai plus que dix minutes, donc je vais essayer de, de, de revenir en fait sur, euh, sur la question des transitions, parce que du coup, vous comprendrez bien que quand on a un modèle qui dit qu'il faut plein 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 de métaux avec les chiffres que je vous ai présentés au départ, et quand je vous mets en face que ça représente d'exploiter des métaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein, Forcément, ça, on, on se pose des questions sur comment on fait pour travailler demain dans la transition énergétique, quels sont les métaux qu'on va utiliser, pourquoi comment. Donc, je me base ici sur une publication de la Banque mondiale qui date de 2017, qui a en fait évalué les besoins pour assurer la transition énergétique eu égard des accords de Paris, donc avec des scénarios à 2, 4 et 6 degrés. Qui, est passé, qui a fait un modèle, si vous voulez, en disant je bascule 44 de l'électricité mondiale en énergie renouvelable, et je vais m'intéresser à trois technologies l'éolien, le solaire, et également les stockages d'énergie. Et je vais regarder, avec mes pronostics, et notamment ici vous avez le scénario de 2 degrés, de ce que en moyenne je dois produire comme métaux en plus pour pouvoir aider, si vous voulez, cette transition. Ok donc par exemple pour l'éolien, globalement, donc là si vous voulez c'est une médiane, c'est-à-dire une espèce de moyenne, on va dire ça comme ça, de, de, sur tous les métaux qui sont nécessaires pour le fonctionnement des panneaux solaires. En moyenne, sur tous ces métaux-là, on a une augmentation de 300% qui correspond globalement également à celle de l'éolien. Par contre sur les systèmes de stockage, on est sur des augmentations que multiplient 12, 1200%. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de constater la liste des métaux qui sont identifiés alors entre guillemets comme critiques alors je n'utiliserai pas ce terme-là mais en tous les cas qui sont dans le viseur de la Banque mondiale lorsqu'elle fait cette modélisation. Vous remarquez rien sur la liste C'est des métaux qui sont d'une simplicité incroyable. Presque des métaux qu'on connaît tous pour une fois. C'est vrai ça, l'aluminium, l'argent, le chrome, le cuivre, le fer et l'acier, l'indium on le connaît un petit peu moins même si on le touche souvent, le lithium le manganèse, le molybdène, le plomb, le zinc. Donc ce que dit la Banque mondiale, pas moi qui le c'est la Banque mondiale. Ce que dit la Banque mondiale, c'est que elle, quand elle fait ses scénarios sur l'éolien, sur le stockage d'énergie sur les panneaux solaires, c'est cette liste de 12 métaux qu'elle a dans le viseur. Il n'y a pas euh, les terres rares, euh, l'uranium, le rhodium, le platine. Ce euh, sont des métaux tout simples. Ça va être important pour la suite. Donc. Et pourquoi est-ce que c'est important Parce que souvent, on trace plus tendance que vous avez. On reprend un tableau de Mendeleïev. Donc là, vous avez des travaux qui ont été adaptés par Chrisman en 2020 de publication antérieure de Monsieur Olivier Vidal de l'Université de Grenoble. Et donc là, vous avez ici un tableau de Mendeleïev dans lequel on reprend un certain nombre de choses. Alors, on va beaucoup plus loin que la Banque mondiale, hein, sur ce coup-là. Puisque, par exemple, les véhicules électriques ne sont pas intégrés. Vous euh, voyez, dans le travail de la Banque mondiale, il n'y a que les trois technologies dont je vous ai parlé. Donc, effectivement, ce qui est clair pour tout le monde, c'est qu'au niveau de la transition énergétique, à minima, il faut tous les métaux dont je vous ai parlé précédemment, qui sont identifiés par la Banque mondiale. Et si on va vers des technologies un peu plus innovantes, il va falloir solliciter beaucoup le tableau de Mendeleev. Et en particulier. Et il y en a un qui passe systématiquement sur les radars, je ne comprends pas pourquoi, c'est le cuivre. Aujourd'hui, le cuivre est majoritairement, quasiment à 50%, utilisé en fait, pour l'électrification. Hein le cuivre conduit l'électricité. Il ne le conduit pas aussi bien que l'argent et l'or, mais son coût est tel que c'est beaucoup plus intéressant pour assurer l'électrification, notamment dans les bâtiments. Je tire cette publication d'un lobby du cuivre. Donc des gens qui expliquent quand même. Donc j'explique quand même le contexte parce que sinon on pourrait. Voilà, mais il faut le savoir. Ce sont des gens qui sont vraiment pour le cuivre et qui disent qu il faut absolument développer le cuivre. Ce qui est intéressant dans leurs travaux, leurs chiffres sont très bons. Vous voyez l'année là. Ici vous avez la base donc l'offre la, la, estimée avec un pic qui là bon globalement est autour de 2020. Mais et vous avez la demande. Donc ça c'est une publication qui date de quelques années mais qui n'est pas si vieille. Donc, ce que dit en fait cette, entre... enfin, cette entreprise, cet organisme, c'est de dire attention, on va passer un cap, au-delà duquel, en fait, le cuivre, qui est sollicité déjà par ailleurs pour l'électrification simple et bête des bâtiments, va être sur -sollicité pour assurer la transition énergétique, parce que vous avez beau mettre une éolienne ou un panneau solaire quelque part, à un moment, il faut communiquer. Hein. Donc, il faut du cuivre, il faut du cuivre depuis l'éolienne, il faut du cuivre jusqu'au système de stockage, il faut du cuivre jusqu'au système de et ce que dit cette publication, et d'ailleurs ça a été repris ensuite, on verra tout à l'heure par M. Vidal encore une fois, c'est qu'en en fait, en l'occurrence, le cuivre, eh bien oui, il y a un moment il va s'infléchir, et ça va être même le problème pour à peu près tous les métaux. Alors ça nous amène à certains paradoxes que je voudrais dresser ici, parce qu'en fait dans toute cette histoire, il y a quand même pas mal de paradoxes. Mais j'en ai listé trois. Le premier paradoxe, c'est qu'on a une industrie qui est énergivore. Qui alimentent des énergies qui sont systématiquement dites propres. Si on regarde le secteur de l'industrie minérale, en fait globalement la production des filières minérales, tout compris, hein, si j'inclus quand même hein, les minéraux, l'acier, etc., l'acier qui est très demandeur, c'est à peu près 10 de l'énergie mondiale. Dépend des chiffres, l'UNEP dit 8 à 9, d'autres 10, 12. On va couper en hein, la poire en deux. On va dire 10. C'est à peu près un tiers du trafic maritime mondial, un petit peu moins. C'est ça, en fait, les filières minérales. Donc c'est énergivore, mais c'est énergivore aussi à l'échelle des sites. Vous avez ici une publication de l'association qui s'appelle La voracité de la mine industrielle, où en fait on a travaillé sur des publications scientifiques pour estimer ce qu'une mine moyenne d'une substance représentait par rapport à nos consommations à nous en tant que citoyens lambda. Quoi. Vous voyez que par exemple, pour une, une mine d'or moyenne, c'est-à-dire pas une grosse mine d'or, une mine d'or moyenne, on estime que sur une année, ça va consommer autant que 31 000 foyers français en électricité. Une mine. D'après les recensements de 2015, il y avait 399 mines d'or dans le monde. Et là, j'ai dit, dit que c'était juste une mine moyenne. Et je ne parle pas de toutes les autres substances en exploitation. Et si on regarde un petit peu, par exemple, vous avez ici l'OCDE, repris par Patrice Christman en 2020, qui vous dit que la production mondiale de béton et de 7 métaux, de base, hein, aluminium, cuivre, fer, manganèse, nickel, plomb et zinc. Toujours les mêmes, hein vous avez vu, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. C'est 25%, ça pourrait être un total de 25% des émissions totales mondiales de gaz à effet de serre à l'horizon 2060. Actuellement, on estime qu'elle représente 16%. Donc quand on dit que c'est énergivore, ce n'est pas des petits chiffres. C'est-à-dire que si on se projette à un quart des émissions de, de gaz à effet de serre, ça commence à être important. Le deuxième paradoxe, donc premièrement, on base en fait du coup des énergies renouvelables sur la production de métaux d'une industrie assez énergivore. Le deuxième paradoxe, en fait, c'est que vous avez une industrie qui dépend elle-même énormément de l'énergie. Si elle est énergivore, elle en a besoin. Et notamment, vous avez ici une publication, de, de, encore une fois, d'Olivier Vidal, qui explique en fait que vous avez ce qu'on appelle une dépendance du prix en loi puissance de la dilution. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Plus le temps avance. Et plus les gisements facilement exploitables, disent d'être qui est exploité, a de plus en plus faibles. Donc, ce qui se passe concrètement, plus la teneur, c'est-à-dire les paillettes que vous avez par rapport au premier schéma sont petites, plus il faut mettre d'énergie. Sauf que ce que dit la fameuse loi de dilution, c'est que c'est exponentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout linéaire comme ça, tranquille. Hein. C'est que parfois, pour juste avoir 0,1% de teneur en moins, mais vous allez mettre 10 ou 15 fois plus d'énergie, vous voyez un peu le concept en fait. Et que donc il y a un moment, et pas si lointain, mais les teneurs seront si faibles que l'énergie nécessaire à la récupération de ces substances sera supérieure à ce qu'on peut amener. Du coup on va se retrouver avec une augmentation du prix et on va arriver à un point critique. Et pour beaucoup de méthodes, d'après les modélisations en cours, ce point critique il sera autour de 2050 non 30 ans une génération le troisième paradoxe énergétique alors celui-là je le trouve incroyable mais je suppose que c'est voilà je pense que c'est logique par rapport à la façon dont l'homme fonctionne c'est que ces industries justement parce qu'elles sont énergivores et qu'elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre on les incite à diminuer leurs émissions donc qu'est-ce qu'elles font et Bien pour s'alimenter en électricité et c'est là que le paradoxe devient intéressant, parce qu'il va falloir essayer d'extrapoler ce système-là pour pouvoir diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles s'entourent de quoi D'énergies renouvelables. Donc si je résume, on va faire des mines. Alors bien sûr c'est caricatural, mais prenez un peu de hauteur à l'échelle mondiale, pas à l'échelle d'une mine. On va faire des mines pour produire des métaux, pour construire des éoliennes et des systèmes énergétiques dits renouvelables, qui vont faire quoi Alimenter des mines. Pour faire quoi Pour produire des métaux, pour alimenter du coup, des systèmes d'énergie renouvelable. Alors encore une fois, ne le faites pas à l'échelle d'une mine, hein. faites-les à l'échelle de la production en fait. Ça, ça n'a pas de sens. Par contre là, il y a un paradoxe en fait. C'est de se dire, bah, où est-ce qu'on met prioritairement l'énergie Parce que si c'est pour mettre à balles d'énergie, pour faire produire des métaux, pour pouvoir ouvrir des mines, pour pouvoir produire des... Enfin, voilà, vous voyez, on va tourner en rond. À un moment, c'est un peu Shadock cette histoire. Quoi. Donc, ça, c'est un certain nombre de paradoxes énergétiques. Je ne dresse ici que des perspectives, parce que, comme je vous le disais en introduction, je ne prétends pas à la solution miracle. Mais je voudrais dresser en conclusion ici un certain nombre de perspectives. Première perspective, c'est qu'il faut absolument prendre conscience que la consommation massive de ressources minérales ne repose pas uniquement sur la transition énergétique et la transition énergétique. Et c'est ce qu'on entend beaucoup, malheureusement. Donc il faut sortir de cette image-là en disant on a de fait un modèle de développement qui a toujours été dépendant des matières premières minérales, que ceci est effectivement moins vrai chez nous. Que nous on a une polarisation sur effectivement des métaux, des petits métaux, qui ont un petit peu plus la cote eu égard des innovations technologiques auxquelles on s'intéresse plus aujourd'hui. Mais dites-vous bien que ces filières-là, faut pas les penser par pays, c'est le monde. C'est toujours le monde qu'il faut considérer quand il s'agit de matières premières minérales. Et il faut prendre conscience de la matérialité des biens de consommation et de sortir un petit peu de la mythologie de la croissance verte. C'est-à-dire que ça n'existe pas le monde merveilleux. où Vous avez une tablette, vous n'avez pas de consommation d'énergie, pas d'implication, pas de matérialité. Ces tablettes ou ces, ces, ces appareils électroniques, pas de matérialité derrière. Faire culpabiliser que je, dis. je présente un téléphone par rapport au secteur du bâtiment ou au secteur de l'éolien. C'est pour comprendre qu'en en fait, nous, tous les objets qu'on a, on a une responsabilité et ce n'est pas moins important de ce que vous avez. Si vous me dites, ben, effectivement, je me sens quand même plus concernée parce que ce que je mange, certes, mais vous utilisez ces objets là. Donc, le but, c'est de comprendre la matérialité qui y a derrière et ne pas regarder l'impact des filières minérales. Ça, c'est très important uniquement au regard des émissions de gaz à effet de serre, c'est à dire que les impacts dont on parle là, qui les quantifie les cours d'eau qui sont contaminés, les eaux souterraines qui sont contaminées, les cours d'eau qui, qui, qui ont été contaminés sur 500 km qu'on appelle le Rio Morte, ça vaut combien ça pour l'humanité Donc ça veut dire qu'il faut absolument se dire qu'il ne suffit pas de dire oui mais j'ai mis plus ou moins de gaz à effet de serre et j'ai mis un parc éolien ou un parc de panneaux solaires et du coup c'est bon, neutralité carbone, au revoir. Non, non, non. Aujourd'hui vous exploitez des substances qui sont en dessous de 1% pour certaines, pas pour toutes voire qui sont à un gramme ou quelques grammes par tonne pour le platine. Donc vous avez une responsabilité aussi sur l'impact environnemental. Les impacts sont majeurs, comme le disait Nathalie, euh, je suis allée visiter des mines dans plusieurs continents, etc. Allez voir les familles qui souffrent au quotidien, qui sont malades, les enfants qui sont couverts de boutons, les gens qui n'arrivent pas à respirer parce qu'ils ont des poussières ou des fumées en permanence dans la tête, tous les cours d'eau ou les eaux souterraines pour lesquelles on n'a plus de puits d'eau potable. Moi, ça fait 15 ans que je lis des documents et que je rencontre des gens qui sont en train de souffrir. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas intégré. Parce qu'on vous dit, non, non, mais c'est bon, moi, mon bilan ACV, il est correct. Ça, ça ne suffit pas. Ensuite, du coup, la question, et qui, là, on va interpeller un point important, c'est de se dire, ces ressources sont finies. On a des diminutions progressives des teneurs. On en, on en parlait tout à l'heure des teneurs et du nombre de gisements. On a des besoins massifs en énergie, donc il va falloir progressivement préparer la transition vers le recyclage. Il ne faut plus considérer que le métal uniquement se mine. Il faut changer de paradigme et considérer la mine secondaire comme étant un appoint tout aussi intéressant et tout aussi important pour assurer la production de nos biens de consommation, déjà dans un premier temps. Et, et si vous voulez partir là-dessus, le minimum c'est d'être en cohérence, parce que ça aujourd'hui c'est pas recyclable. Parce que ce sont des alliages qui sont extrêmement fins, des pièces qui sont toutes petites, et l'énergie nécessaire à la récupération de tous les métaux qui sont à l'intérieur, qu'ils soient 50 ou 60, peu importe, aujourd'hui, on ne peut pas la mettre. Économiquement parlant, ce n'est pas intéressant. Donc on recycle très peu de tout le pourcentage qu'il y a là. Et ça, ce n'est pas normal. Vu les conséquences que je viens de vous présenter, fort partiellement, je le concède, sur la production de ces métaux, on n'a pas le droit de considérer ça comme étant un truc qui jette, quoi. Pensez à ce moment-là avant, et c'est pas encore une fois, je ne veux pas culpabiliser, mais c'est dites-vous, même collectivement, on n'a même pas le droit de concevoir des téléphones ou des ordinateurs qui, sont juste, qui vont partir à la poubelle, pas eu égard des impacts que je viens de vous mentionner. Et enfin, la question de la transition énergétique doit être repensée euh, eu, enfin, au, au regard de ce qu'on entend beaucoup sur des modèles 100% électriques, 100% de véhicules électriques, 100% d'électrification, euh, à bas le charbon, euh, tout ça. En fait, c'est très beau, hein, l'électrique, mais je, vais, je vous ai présenté quelques tendances, certes prédictives, mais qui sont quand même intéressantes sur des évolutions, des modélisations, par exemple sur le cuivre. On ne travaille pas avec une ressource infinie. Si effectivement on avait une énergie infinie à disposition qui nous permettait de traiter des concentrations de plus en plus faibles jusqu'à des pouillèmes de pouillèmes, comme pour l'or à un gramme par tonne, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dans le monde, ce qu'on a tendance à faire, c'est à réouvrir des mines de charbon pour avoir de l'énergie pas chère pour alimenter les broyeurs qui sont le principal poste de dépense énergétique dans une mine. On est en train de faire machine arrière pour pouvoir produire des métaux à bas coût. C'est ce que fait notamment l'Afrique du Sud. À réouvrir des mines de charbon pour pouvoir produire des métaux. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est rendu Qui intègre l'impact de ces métaux Qui intègre l'impact des mines de charbon qui ont permis d'alimenter les usines qui produisent ces métaux-là C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Donc c'est pour ça qu'au regard... De ce que je vous ai présenté comme modèle, nous pensons au sein de que la question des modèles 100% électriques dont vont être repensés, effectivement, par exemple, sous forme de mixte ou autre, il y a toutes sortes de solutions et de, de schémas possibles. Mais en tous les cas, il me tenait à cœur et au sein de l'association aussi de vous présenter ça parce qu'on pense que ça peut vous intéresser. Merci à vous. Merci Aurore pour cet exposé extrêmement clair. Ceci dit, j'imagine que vous avez de nombreuses questions à poser à notre oratrice. Donc on va peut-être commencer par prendre une ou deux questions de la salle et puis on alternera salle et auditeur. Donc est-ce que vous avez des questions Bonjour à tous, bonsoir. Alors, la question que je me posais, c'était du coup sur ces, euh, sur ces exploitations où du coup on choisit le, le minerai qu'on qu exploite. Euh, vous avez dit qu'il y avait plein d'autres minerais et que du coup c'était tout, euh, tout accumulé dans des grands bassins euh, qui après euh, étaient euh, déversés dans les océans. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de multiplier sur le même site les, euh, les, les minerais qu'on récupère et du coup euh, retraiter du coup ces, ces eaux euh, et ces bouts qui sont. Euh, sont dans ces bassins Alors, il y a des projets qui ont été pensés justement pour ça. Par exemple, euh, les vieux dépôts de déchets moyenâgeux ou romains, parfois. Je pense par exemple à un carouma emblématique, peut-être que vous, certains ont entendu parler en 2000, une grosse rupture de digue, un peu comme celle que je vous présentais à bayamaré où il y a une énorme contamination au cyanure. C'était une entreprise qui reprenait justement des vieux déchets et qui les, les retraitait. Euh, alors, ça se fait. Euh, cependant, il faut quand même déjà que la teneur soit suffisamment intéressante. Donc, ça peut par exemple se faire sur des déchets euh, qui ont été laissés par des, des gens qui travaillaient avec des techniques beaucoup moins évoluées. Euh, ça, c'est un premier problème. Et alors, attention, le, une première considération, pardon, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose à prendre en compte. Et il y a un deuxième enjeu à prendre en compte, c'est que ces matériaux, en fait, quand ils sont stockés, ils sont stockés sous forme de boue. Lorsqu'ils vont attendre avec le temps, ils vont finir par sécher. Donc on va avoir des matériaux qu'on qu va devoir pelleter, remettre en voie humide, pour pouvoir les tresser sous forme de boue. Hein, les processus chimiques ne vont pas se faire en voie sèche, on va, on va se mettre en forme de boue. Donc souvent, économiquement, ça devient compliqué parce qu'il faut pelleter le matériel, reprendre ce matériel-là, et en termes d'impact du coup, autour du dépôt, ça peut être problématique. Mais effectivement, vous avez raison, il existe des projets, et j'en ai quelques-uns en tête en Europe, pour pouvoir justement valoriser ces anciens déchets. Merci. Merci pour votre présentation. Euh, moi, je voulais savoir par rapport au nucléaire et du coup aux énergies renouvelables. Donc vous avez montré de façon très claire que l'extraction des matières premières était très problématique. Et du coup, en comparaison au niveau du matériel, est-ce que l'un est meilleur que l'autre Au final, est-ce que ça se vaut sur ce plan-là C'est une excellente question, parce que le problème de, des mini-miniums... C'est le potentiel des radionucléides qu'elles contiennent et des déchets qu'elles contiennent. Alors les processus sont les on va dire presque similaire hein, d'accord. on a des techniques quand même qui sont un peu différentes que celles que vous avez vues d'exploitation, de concentration et tout de plus en plus euh, l'uranium 60% de l'uranium est exploité par ce qu'on appelle une exiviation in situ, un peu comme les puits de charbon, c'est à dire que vous envoyez des fluides en souterrain et vous repompez en fait, euh, les fluides minéralisés qui sont passés au sein du gisement d'uranium si vous voulez Donc, bon. mais euh, le problème effectivement et c'est une très très bonne question c'est que il faudrait évaluer un espèce de, de coefficient, un espèce de critère, qui prenne en compte les aspects humains, environnementaux, sanitaires, et qui fasse en fait, comme vous, le, enfin, comme vous le présentez, je trouve ça très pertinent, en fait, de dire bah, c'est quoi le pire en fait, parce que dans un cas, effectivement, il y a moins de mines d'uranium, mais on peut avoir soit des déchets euh, massifs, par exemple de stériles et de résidus. Il hein, y en a au Gabon, il y en a au Niger. Dans, bon, là, le principal pays producteur dont je vous parlais avec cette technique, c'est notamment le Kazakhstan en, dans le monde. Bon, voilà, donc, recomparer ces déchets-là, qui certes, 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 sont très, très, très problématiques pour la santé humaine, et si on compare par rapport à une grosse digue de résidus qui contient une concentration, on va dire... C'est assez compliqué, oui. Donc, je dirais que, en tous les cas, ce qui se préfigure dans l'effet qu'on a à sexe même si nous, plus du côté géologue, mine, hydrogéologie, on n'est pas des énergéticiens, hein, donc il y a certainement aussi d'autres personnes dans la salle qui voudront inter intervenir là-dessus, mais du coup, c'est vrai que nous, on a plus tendance à croire en des mix énergétiques. Euh, et euh, à ma connaissance, en tous les cas, euh, voilà, on peut au moins se dire qu'il y aura besoin d'un mix énergétique. Quand on regarde ce qui se passe... Il y a une très très bonne publication, d'ailleurs, dont je pourrais vous donner la référence, qui compare un peu euh, les intrants fossiles, euh, donc charbon, uranium, gaz, assez récent là, de 2020, sur euh, l'Allemagne... Euh, les États-Unis, la France et la Chine, donc un peu quatre grands pôles qui ont fait un, des choix très différents. Effectivement, on se rend compte que euh, bah, dans, les, dans tous les cas, en fait, c'est des problèmes de, de mix en fait, c'est-à-dire que euh, certes l'Allemagne a renoncé euh, à, euh, au nucléaire, mais du coup, elle n'a pas le choix, elle développe parallèlement l'industrie du charbon. Que le, la Chine a encore dans son mix énergétique énormément euh, de charbon. Donc de fait. Nous, ce qu'on dit à Sistec, c'est de toute façon, on n'aura pas le choix d'envisager au moins dans les premiers temps un mixte. Après, là, je vous ai présenté des tendances sur le cuivre. Je n'ai pas d'équivalent sur les évolutions avec le point critique, etc., sur l'uranium. Ce qui serait intéressant de voir, voyez, un petit peu comme ce qu'on avait là sur les chiffres du cuivre, comment ça se passe pour l'uranium. Parce que c'est tout ça qui vous faut intégrer, en fait, et c'est la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire qu'il vous faut à la fois prendre en compte les aspects humains, sociaux, environnementaux, l'affinité de ressources, les usages, la multiplicité des usages qui rentre dans votre analyse finale pour pouvoir privilégier une filière ou une autre. Voilà, c'est ce que je pourrais en dire. Merci beaucoup. Bonjour, euh, ici. <laughs> Merci beaucoup pour votre intervention. Euh, J'avais une petite question Alors, à propos de votre quatrième point au niveau de la recyclabilité. Euh, donc moi je travaille, je ne suis pas étudiant, je travaille. enfin j'ai été étudiant, je travaille maintenant dans une industrie où on produit des, des équipements qui ont 30 ans de durée de vie. Quand on voit, euh, notamment, je vais prendre un exemple qui est très criant actuellement, c'est la téléphonie, qu'on a un iPhone ou un Samsung euh, Galaxy, je ne sais pas trop quoi, qui sort tous les six mois avec ce qu'on a vu dedans. Est-ce que justement, euh, actuellement, on entend beaucoup parler aussi dans un autre domaine de l'automobile de attention, le diesel ça pollue, l'essence ça pollue, euh, retirez votre voiture qu'à 10 ans, mettez-la à la casse parce qu'on a une nouvelle voiture électrique qui sort euh, au final, on a deux poids, deux mesures. Et derrière vous, vous dites oui, mais il faut penser recyclage et il faut surtout penser augmenter la, la, les, la durée de vie des objets. Est-ce qu'il n'y a pas justement un combat au niveau des, comme on le voit avec euh, recycler sa voiture, euh, un combat au niveau des États à faire et au niveau de la Commission européenne et de tous les grands dirigeants qui, euh, qui donnent ces directives au niveau de la réduction de CO2 pour l'instant vous avez tout à fait raison, effectivement. Euh, moi, je salue les initiatives comme les vôtres qui déjà se donnent pour objectif euh, au moins d'augmenter au maximum euh, la durée de vie euh, des produits. Parce que quand on voit, comme vous le disiez, hein, on, est sur des, on est sur des produits avec des technologies qui évoluent très vite, on est sur 5 à 10 ans de technologie. Euh, on les jette, on les garde pendant 5-6 mois, puis on les jette comme si c'était euh, voilà, si quelque chose qui n'avait pas de valeur ou qui n'avait pas d'impact. Parce que je vous ai fait grâce ce soir pour maintenir votre morale non pas à zéro, de vous faire part du traitement des déchets électroniques, parce qu'il y en aurait encore beaucoup à dire. Hein. Donc euh, là, c'est encore euh, c'est pas mal aussi dans le genre. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a un énorme combat et même quand je vois par exemple les difficultés qu'on a à faire admettre, notamment vous mentionniez les instances européennes à faire admettre, par exemple des lois, parce qu'il y a énormément d'associations. Je, je pense par exemple aux très bons travaux qui ont été faits par les Amis de la Terre pour demander qu'il y ait des règles très strictes sur la réutilisation, l'obsolescence programmée ou autre, qui n'arrivent pas à avancer d'un pouce. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'au final, même s'il ne faut pas, si vous voulez criminaliser plus une filière qu'une autre, je dirais par exemple la téléphonie plus que euh, le euh, voilà le, le numérique portatif ou autre, hein, il y en a toutes sortes des filières, mais effectivement, en particulier pour ces filières-là, euh, au moins mettre des... vraiment mais serrer la vis, quoi, serrer la vis sur les durées de vie, sur euh, les, euh, la possibilité de réintégrer des matériaux recyclés. Parce que souvent, non seulement on ne peut pas recycler, mais en fait, le pro ils prennent toujours du matériel neuf, si vous voulez, issu de la mine. Quoi. Donc il faut aussi pouvoir réintégrer du matériel qui est recyclé ou qui n'a pas nécessairement les propriétés voyez, originales d'un métal qui n'aurait pas été fusionné et refusionné. Donc vous avez parfaitement raison, et en particulier pour ces appareils-là. Je veux dire, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, très rapidement, quand on dresse le tableau d'un frigo. Euh, je vais dire, il y a quoi allez, 15 substances à peu près. Euh, en plus, un frigo, c'est facilement gérable parce qu'en fait, il y a des parties qui sont très, très bien identifiées. Euh, Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez une carte électronique, vous avez un écran. Euh, si vous avez un écran euh, de téléphone, chaque écran, du coup, ce sont des petits cubes qui vont bouger, on est d'accord, dans l'espace pour pouvoir créer l'image, je le schématise. Cet écran, du coup, ce sont des matrices à barium, magnésium ou autres qui sont dopées avec des terres rares, qui sont elles-mêmes en connexion avec des produits. Enfin C'est minuscule, en fait, les tailles. Aujourd'hui, les transistors, on est sur la taille d'un virus. quoi. Donc, quand on est à ces tailles-là, il n'y a plus possibilité d'intervenir pour dissocier le métal, en particulier sur ces technologies. Je ne veux pas diaboliser une technologie plus qu'une autre, encore une fois, ce n'est pas mon propos. Mais être particulièrement vigilant quand on crée des dispositifs qui tiennent 50, 60 métaux avec des alliages sur lesquels on sait que de toute façon, on va prendre, on va jeter. Et autre chose aussi sur laquelle vous avez raison, c'est que je pense. Alors je vais. guillemets, Mais c'est un peu déminéraliser notre économie. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'on l'avait à foison. Donc on prend des minéraux, on les utilise, on les intègre. Voilà. Donc par exemple, j'ai cette histoire qui était intéressante. Je rencontre une association qui est spécialisée dans le recyclage des plastiques. Elle me dit ah mais vous travaillez sur les métaux. Je dis oui. Oh là 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 ah, terrible hein, le dioxyde de titane. Je lui dis mais bah, pourquoi le dioxyde de titane ben, figurez-vous que pour pouvoir avoir des, des, vous savez, des gobelets blancs, on met du dioxyde de titane. Alors c'est de moins en moins vrai, et ça a évolué, mais je vous raconte ça il y a une dizaine d'années. Elle me dit avant mes plastiques étaient recyclables. Depuis qu'il faut que je les fasse blancs pour pouvoir faire propre, et eh bien du coup je me retrouve avec du dioxyde de titane et mes plastiques sont plus recyclables. Donc il y a toute la problématique des usages dispersifs des substances minérales et en particulier des métaux qui est aussi à réintégrer. C'est-à-dire que je vous donne cet exemple du plastique, mais par exemple personne ne se pose la question pourquoi quand vous avez une chaise de jardin, qu'elle soit verte ou blanche, elle est en plastique mais elle ne fonce jamais au soleil. Pourquoi est-ce qu'une revue La Redoute c'est un papier super super fin qui s'imprime hyper vite et qui les pages en fait vous avez une, une, une impression très fine On ne se pose pas toutes ces questions-là mais c'est grâce au monde merveilleux des substances minérales que vous avez tout ça. Parce qu'il va vous falloir une encre qui sèche vite, parce que vous avez des délais de dépression qui sont temps. Comme votre papier est fin, il va falloir des dopages pour pouvoir que le, la cellulose accueille euh, l'encre, etc. etc. Donc, et donc, ces usages dispersifs-là, ils sont Terrible, parce qu'il limite considérablement votre capacité, si vous voulez, à, à recycler. Je pense, par exemple, aujourd'hui sur un téléphone, vous savez, pour éviter les émissions et les réceptions, en fait, vous avez de l'électromagnétisme, donc il faut éviter, en fait, qu'il y ait des interférences. Du coup, on met des encres, notamment à base de nickel. Des encres. Comment voulez-vous que je recycle une encre Projeter une encre métallique projetée. Comment voulez-vous donc effectivement, je vous rejoins à 100 C'est pour ça qu'il faut insister dès le départ en disant concevez bougre de bougre des produits qui se recyclent. Parce qu'après vous allez dire ah bah je peux pas recycler. Bah, normal, tu fais rien pour qu'il soit recyclable. Oui donc je, je relais les questions de, de ceux qui nous écoutent à loin et donc déjà Ro, il vous remercie de, de votre présentation. Euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il est possible de convertir le parc euh, automobile en électrique Est-ce qu'on sait ça aujourd'hui Je ne parle pas du futur, mais est-ce qu'on sait de la, le parc automobile existant Est-ce qu'on a le, les métaux nécessaires pour faire cette conversion C'est une excellente question. Le parc automobile existant, c'est à peu près 1,2 milliard de véhicules dans le monde. On estime qu'il devrait doubler d'ici 2050 ou 2060. 2060. Peu importe. On va c'est compliqué parce que, comme je vous le disais, en fait, il y a toutes sortes de, de problématiques. il y a toutes sortes de paramètres qu'il faut prendre en compte. Euh, typiquement, je vous donne cet exemple-là. Quelle, quelle technologie de batterie on va choisir, par exemple Est-ce que vous prenez une batterie LFP, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, euh, avec du fer et du phosphate, et enfin lithium fer phosphate, ou est-ce que vous prenez une batterie NMC avec nickel, manganèse, cobalt, etc. Donc, Déjà la première chose c'est que le, le discours est compliqué parce que tout dépend des technologies que, sur lesquelles vous allez faire vos modélisations. Les travaux de Vidal, par exemple, euh, notamment, et ce n'est pas le seul, hein, j'ai lu d'autres articles, notamment de 2014 de Northern, qui montrent en fait qu'on euh, a quand même... Quand on veut essayer de, voilà, de prendre le parc automobile, 1,2 milliard de véhicules euh, J'y vais euh, à la grosse louche, quoi, en ordre de grandeur, indépendamment des technologies, on a quand même du mal à assurer, surtout, donc c'est pour ça que je vais quand même nuancer par rapport à la question, surtout pour, dans le cas, par exemple, comme le cuivre, où en fait cette, euh, la ressource, en fait, enfin, le, la matière première est en concurrence forte avec d'autres secteurs. C'est-à-dire que si vous voulez, à la limite on pourrait dire, on arrête tout et on met tous les métaux sur euh, la transformation du parc électrique à 100% électrique, 1,2 milliard de véhicules électriques. Pourquoi pas Pourquoi pas Ce serait un choix. Bon. Supposons que l'on fasse ça. Il faut qu'en fait, on s'interroge sur non mais attends, euh, tu vas prendre tout le cuivre là, mais on a besoin de cuivre où aussi. Donc c'est en particulier compliqué lorsqu'on a des filières pour lesquelles il y a différents usages ou différents secteurs d'utilisation et que là on a des phénomènes de concurrence fort. Quoi. Donc moi personnellement, ce que j'en dirais, c'est que je pense que non d'après ce que j'en vois sur le lithium, sur le nickel. Euh, je présentais tout à l'heure lors d'une autre intervention les pronostics sur le nickel en 4 ans où on nous affouchait des, 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 des demandes pour le, justement pour les batteries NMC. Où on avait euh, donc euh, en l'occurrence un, un cabinet de consulting qui s'appelle Offi Asset Management qui fait des excellents travaux là-dessus et qui montrait qu'il fallait multiplier par 7 la quantité de nickel produite par an en 4 ans. Quand vous voyez ces chiffres-là et que vous êtes de l'autre côté, vous savez que ça va être compliqué. Mais je veux répondre à la personne qui pose la question en toute transparence, en disant j'ai rien de chiffre de modélisation, d'algorithmes de, qui vous le prouve là au moment où je vous parle. Mais sincèrement, c'est pas concevable. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de remplacement du parc électrique complet. Qu'on ne peut pas penser à l'instauration de parcs électriques dans des conditions où l'utilisation du véhicule électrique est particulièrement utile et pertinent. Mais globalement, voilà, sur une substitution complète, d'après ce que le peu que j'en regarde actuellement, ça paraît. Nathalie, j'avais une question ici tout à l'heure. Alors, euh, bonsoir. Euh, j'avais un peu deux questions en une, en fait. C'est que euh, j'ai adoré votre présentation, mais j'avais une question. Euh, en fait, j'aurais bien aimé l'avoir un, un peu en cours, en fait, si vous voulez. Euh, avoir un cours un peu dédié à ça. Parce que c'est intéressant, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience. Et en tant que euh, eh ben, futur ingénieur, ça peut être intéressant quand même d'être, on va dire, sensibilisé à ce genre, à ce genre de choses. Surtout que euh, pour un moment. Alors, je Suis pas encore bien placé, hein. je, je suis encore en deuxième année juste à l'UTBM, mais pour un moment de ce que j'ai vu, c'est que les enseignements sont surtout tournés assez traditionnellement vers, euh, on va dire vers la production, comment plus produire euh, sans trop se soucier de ce qu'on fait du produit une fois qu'il est fait, sans trop se soucier de où vient la matière première, etc. Et, euh, et donc j'aurais bien aimé avoir ça en cours. Et, euh, et en deuxième question, c'est euh, donc. On voit que c'est quand même très très problématique. Et est-ce qu'il y a déjà des solutions qui, on va dire, réalistes, qui ont été, qui ont commencé à être imaginées ou pensées Réalistes, excusez-moi, pour, euh, pour résoudre les problèmes environnementaux et sanitaires, notamment de les exploitations minières, du coup Eh bien, euh, bah, notamment, oui, notamment en essayant de un peu réorienter la production des énergies, des, des minéraux, etc. Euh, comment est-ce que est-ce va, va est qu'il y aurait des solutions pour euh, on va dire, essayer de sortir de ce cercle vicieux de on produit de l'énergie pour avoir des métaux qui servent à produire de l'énergie hein. alors pour la première question s'agissant des corpus d'enseignement des universités françaises n'étant pas moi-même n'étant que vacataire humble vacataire dans certains établissements je ne peux pas juger par contre ce que je peux vous dire c'est que là ce soir on en parle mais que j'ai des gens qui continuent à me dire euh, qui sont très haut placés ou qui ont opinion sur eux ou qui ont des postes à forte responsabilité qui me disent euh, alors du coup euh, on va chercher des plaques de métal dans la mine ou euh, j'ai eu il n'y a pas si longtemps euh, du coup euh, est-ce que enfin du coup le, le, le métal se renouvelle on reproduit naturellement du métal en permanence vous voyez ce genre de questionnement donc là où vous avez, je pourrais pas répondre à la question que vous soulevez, je laisse vous laisse réfléchir avec d'autres personnes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous, à Sistex, c'est pour ça qu'on avait dans les quatre points, vous vous souvenez, un enjeu de sensibilisation, c'est qu'il faut absolument que les gens se réapproprient cette question. Quoi. Il faut arrêter de ne pas être au courant de tout ça. Euh, c'est pas si compliqué, alors il y a beaucoup beaucoup d'enjeux, euh, voilà, mais texte c'est une salariée depuis un an et 10 bénévoles, quoi. donc euh, à un moment donné on va pas faire tout pour, les, euh, pour la France et voilà. donc c'est un... Et je pense qu'effectivement, il faut que de plus en plus, cette question, elle soit abordée de façon frontale. Pas... Moi, je suis... encore une fois, je suis pas anti-mine. J'ai rêvé toute ma vie d'être ingénieur géologue minier. Je suis très fier de l'être. Il hein. n'y a pas de problème avec ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux mettre mes compétences justement dans ces filières-là. Donc, ce n'est absolument pas un problème. Je suis pas anti-mine. Par contre, ce que je veux, c'est que ces pratiques, une partie des pratiques qui sont inacceptables, cessent. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Et on n'est pas énormément aussi à travailler sur les questions minières. Donc, il y a cet enjeu-là. S'agissant des solutions, notamment au regard des énergies, le problème en fait, c'est que les réglementations imposent de fait à tous les industriels, et y compris au secteur extractif, de diminuer massivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, je dirais qu'il faut quand même repenser cette question en termes de solution ou pas, en disant ben, c'est un peu compliqué parce qu'on est, comme on le disait, sur un paradoxe énergétique, certes. Mais là, le fait est, est, que les industriels ne font qu'appliquer ce qu'on leur demande scrupuleusement. Donc, on peut difficilement leur reprocher quand ils font des efforts sur des choses réelles. Par contre, euh, on va effectivement euh, avoir des soucis. Et là, il faut réfléchir. En fait, c'est de dire où on met l'énergie. En fait. on a un stock d'énergie qui est celui qu'il est, avec les contraintes qu'il a que du coup, la renouvelabilité de, des ressources renouvelables doit absolument être repensée au regard des matières premières minérales qui sont nécessaires, qui elles sont absolument pas renouvelables du tout. Et au regard de ça, une fois après, de se dire, sur quoi on met l'énergie Parce qu'effectivement, il faut éviter de tourner. Pour l'instant, on n'en est encore pas là. voyez, il y a... Je vous ai présenté un exemple dans le désert d'Atacama avec des champs extraordinaires, mais qui font des centaines d'hectares de panneaux solaires pour des mines. C'est un peu aberrant, si vous voulez, de mettre ces énergies-là, parce que c'est hyper énergivore, quoi. ça n'a pas de sens. Donc, bon, voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans cette espèce de boucle infernale, entre guillemets. Mais je trouve que c'est intéressant de le pointer dès maintenant pour dire qu'il faudrait qu'à un moment, on sorte de ce paradigme et qu'à la limite, du coup, il y a des projets miniers qui ne voient pas le jour, parce qu'énergétiquement parlant, on commence à tomber sur des aberrations. voyez Ça peut être ce genre de piste. Je les trace avec vous comme ça à brûle-pourpoint. -pour Merci. Merci. Reprend le positionnement de mon association. Ce sera sobriété, ça c'est sûr. Par contre, pas forcément de décroissance. Sobriété et vous avez tout à fait raison. Parce que euh, est-ce que je peux revenir en arrière Voilà, sur cette courbe. On a Tout à l'heure. Vous voyez le, le diagramme en haut à droite. Donc là, je me base sur les travaux d'Olivier Vidal qui ont été repris dans une publication dans, le, dans une revue qui s'appelle Géologue, euh, donc en 2020. Je vais, je vais illustrer, hein, je, je ne m'éloigne volontairement pas du sujet, je reste au plus proche de votre question. <laughs> Le pointillé noir, c'est la question de la demande prévision. Ce qui est d'accord C'est là, vous voyez cette ligne continue bleue, c'est ce qui est estimé comme étant par la mine, c'est-à-dire la capacité de la mine par okay la ce qui est important, c'est une offre possible du recyclage. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est quand vous prenez la somme en 2100 du blanc et du bleu, ça ne monte pas jusqu'à la ligne noire. Et ça, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on en parlait encore tout à l'heure, ce qui me pose problème dans beaucoup de modèles, mais je suis loin. Tant d'attention que les précédentes. Me pose un problème c'est qu'en fait beaucoup de modèles partent du principe qu'il faut continuer à consommer autant et qu'il n'y a aucune conception de sobriété c'est à dire que par exemple la sobriété technologique euh, moi je souffre beaucoup enfin je suis arrivée à orange je leur ai dit est ce que s'il vous plaît vous pourriez me vendre un téléphone à touche quoi je ne veux pas d'écran, je n'ai pas envie d'avoir un film d'oxyde indium. Alors le gars m'a regardé en les folles. Je je veux pas un film d'oxyde indium tous les matins sur mon doigt. Donnez-moi un téléphone à tout, je vous en prie. Donc là, du coup, j'envisage. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là C'est parce qu'en fait, un téléphone doit servir à un téléphone. Et ce qui, moi, me rend folle. C'est que aujourd'hui, vous avez des téléphones où vous avez, je vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, c'est dire on a en fait le iPhone machin. Alors moi les iPhones ça me rend ouf, mais alors le iPhone machin et en fait vous avez encore plus de, de DPI par machin pour faire votre photo. Non mais on parle d'un téléphone. Vous voulez faire des photos, mais acheter un appareil photo. Quand je veux faire de la voiture, je prends pas mon vélo, j'achète une bagnole. Eh ben, en fait, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, on, on arrive, et notamment les tablettes, moi ça m'en ouf, j'ai jamais eu de tablette, j'en aurai jamais, c'est qu'en fait, où on a, comme vous le mentionniez tout à l'heure, à très juste titre, une ribambulite de fonctionnalités dans un appareil, parce qu'il faut que ce soit le plus fin possible. Parce qu'il faut absolument que ça tienne dans la poche de ces messieurs. Désolée, euh, voilà, mais c'est vrai que. Voilà. Donc, du coup, en l'occurrence, ce... Enfin, ce, qui me fait dire, c'est qu'il faut absolument repenser dans la conception dont on parlait en termes, de... mais en termes de sobriété. En fait, il y a des usages. Par exemple, quand j'entends parler de certains débats. Euh... Sur la 5G sur la nécessité absolue que tout le monde en fait, puisse avoir accès à une vidéo en streaming le matin en partant au boulot parce que sinon il n'a pas son quota de vidéos journaliers, il enfin, faut arrêter. Quoi. Et ça, ce genre de choses, on dit Ah oui, ouais, mais en fait vous, vous êtes effectivement, vous voulez vivre dans une caverne. Je n'ai jamais dit que je voulais vivre dans une caverne. J'ai dit qu'au quotidien, quand je fais le bilan, euh, j'estime qu'il y a tout à fait possibilité de concevoir des objets qui garderont des fonctionnalités tout aussi intéressantes que les précédentes, mais effectivement avec une certaine sobriété. Donc je pense que vous avez raison de rappeler cette conception-là. Laquelle... Donc je vais poser quelques questions de nos, euh, nos amis à distance. Deux questions en, en un. Quelles sont les tendances politiques en Europe et notamment en France sur la, la réglementation des mines Et par ça, je veux dire, est-ce qu'on a pris les leçons de ce que nous avez montré, ce qui s'est passé en Hongrie ou en Espagne Et deuxième partie, que, quelles, sont, quelles sont les conditions pour qu'on euh, pourra extraire, ce sera rentable pour extraire des métaux en France ou pays proche, si ressources il y a donc première question c'est plus quelle est la situation on va dire France métropolitaine du coup au regard de la relance minière c'est ça et la deuxième question c'est serait-il possible d'exploiter du coup en France et quels seraient les intérêts quoi si quels sont les intérêts quelles sont les conditions peut-être économiques oui au niveau oui au regard des conditions économiques parce qu'on n'a pas le même notamment code du travail ou autre que dans certains autres pays ok alors on en est où en France il y a à peu près en France métropolitaine parce qu'attention vous avez deux Notamment la Nouvelle-Calédonie, qui est un gros centre minier français, et aussi la Guyane, qui est un centre important, même si ce n'est pas un gros centre à l'image de la Nouvelle-Calédonie, mais un centre important en termes d'or, de production d'or. Important. Proportion gardée, mais bon, peu importe. Euh, en France métropolitaine, aujourd'hui, il existe moins d'une dizaine de sites miniers. Euh, enfin, au regard, quand je parle de sites miniers, c'est-à-dire de substances qui sont inscrites dans le parle de bauxite. Et on parle de Après 5 à 6, euh, relève du code minier. Donc ça, c'est des exploitations minières qui, qui sont en activité aujourd'hui, des petites exploitations. Maintenant, il y a les permis miniers. Donc il y a plus d'une. On doit être arrivé à plus d'une vingtaine maintenant. Il faudrait que je recompte. De de permis de recherche minière qui ont été déposés sur le territoire métropolitain avec un, une, une intensification des dépôts à partir de. Et lui, il clair que tous ces permis enfin départ soient. un vrai <laughs> par rapport à ça. Mais on va dire que factuellement, voilà, aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Et la majorité des projets sont arrêtés par des mobilisations plus ou moins locales ou plus ou moins développées à l'échelle nationale. Donc on va dire que les raisons pour lesquelles les explorateurs éventuels ou les permis ont été annulés, ce n'est pas pour des raisons économiques ou de projets. Dans certains cas, attention, euh, c'est aussi parce qu'il y avait des mobilisations, évidence des problèmes. Euh, donc ça, c'est à prendre en compte. Est-ce que effectivement il y aurait une faisabilité euh, je dis, Alors je vais parler du point de vue factuel. Hein, je ne prends pas d'avis en disant ce serait bien de le faire ou pas. C'est pas mon boulot. Par contre, euh, est-ce que ce serait, il y aurait une faisabilité Je pense que tout à fait. Mais je voudrais quand même insister sur un point par rapport à ça. C'est que je pense que je suis persuadée. Vous, je pense que vous l'avez bien compris que la mine propre n'existe pas. Hein. La mine verte encore moins. Euh, bon, la mine responsable compliquée aussi. Par contre. Je pense qu'il y aurait une mine qui pourrait exister, qui ne cherche pas à faire du bénéfice sur la production du métal. C'est-à-dire, c'est des mines qui font de la production du métal, qui rémunèrent bien les gens, qui utilisent des techniques, alors, respectueuses, encore une fois, je vais mettre les guillemets mais avec le moins d'impact possible. Que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, alors depuis, enfin moi j'avais des chiffres de 2018 en tête, on demande aux exploitations minières d'avoir des retours sur investissement qui sont équivalents aux services, en l'occurrence. Au secteur du tertiaire, si vous voulez. C'est des retours sur investissement qui sont des trucs de malade. Il faut ramener énormément d'argent. Ne vous inquiétez pas, les entreprises minières, elles vont bien pour la plupart. Et donc, il y a aujourd'hui de plus en plus de modèles qui montrent qu'à la fin de l'activité du. Experte de l'État, toutes les pollutions qui sont laissées, parce que nous, c'est petit par rapport à ce que vous voyez au Canada, si vous. C'est nécessaire à restaurer. Alors, restaurer, pas dépolluer, restaurer ça, c'est parfois trois fois qui a été. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont abandonnés, des six miniers. Ça doit nous faire réfléchir en fait, en se disant qu'est ce qu'on veut de notre, de notre économie? En fait, est ce qu'on veut produire du métal pour produire du métal et remplir un service ou une fonction par rapport à un développement économique donné, une fonction donnée? Ou est ce qu'on veut? Et là dessus, pour ceux qui sont intéressés en 2018 qui parle justement de ces enjeux-là. En disant, en fait, il y a un problème dans la, le paradigme même de l'exploitation minière. Si, si vous voulez faire de l'argent, essayez de faire de l'argent, mais autrement que la mine, parce que la mine, c'est une industrie qui est lourde. Et votre marge de manœuvre, pour vous, vous allez la prendre où Eh bien, sur les externalités sanitaires, humaines, sociales, environnementales, qu'aujourd'hui, vous n'intégrez pas dans les coûts réels. De ce que, de, voilà. Ça ne devrait jamais coûter moins de 1 000 ou 2 000 euros, cette chose mais vous êtes en capacité de vendre des produits qui sont, qui sont des vrais petits ordinateurs à tout le monde, parce que vous avez fait, fait un, croire aux personnes que c'était complètement dématérialisé, que tout se passait bien dans le meilleur des mondes possibles, et que deux, parce que vous, vous n'avez pas pris en compte les externalités associées. Donc vous ne prenez pas en compte la valeur réelle de ces biens-là. Et effectivement, c'est un vrai problème donc de se dire, je pense que c'est possible, mais avec un paradigme d'exploitation qui serait peut-être plus proche de ce que je viens de vous décrire. Alors rapidement, euh, merci beaucoup pour euh, cette intervention décoiffante, ça fait beaucoup de bien. Euh, que ne vous a-t-on pas entendu sur le, le débat sur la 5G euh, voilà, parce que ça, ça fait. vos arguments peuvent en faire partie. Et moi, je m'intéresserai surtout à l'association euh, Syntex. Est-ce que euh, l'association, euh, euh, par exemple, a été invitée euh, euh, avec le, le groupe citoyen sur, euh, sur la transition énergétique Est-ce que euh, vous avez euh, des contacts avec le ministère euh, euh, du de, de l'Environnement Enfin, comme, euh, voilà, aujourd'hui, euh, comment, comment vous intervenez euh, Comment Juste pour être sûr, est-ce que ça ne vous dérangerait pas de confirmer la question sur la 5G, s'il vous plaît Non, je trouve que ces argu les arguments que vous donnez, on ne les a pas beaucoup entendus sur l'importance du développement de la 5G parce que c'est la technologie de demain et on, on ne pourra pas s'en passer. Qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a pas la 5G Voilà, vous avez un autre regard intéressant. Oui, effectivement. Euh, bon, pour officiel de l'association, la 5G, parce que intéressé, mais sans les interroger, je connais mon équipe et je pourrais vous dire qu'à un moment donné, ça rejoint juste. Qu'on discutait euh, tout à l'heure. En fait, c'est de dire c'est plus et puis euh, du câblage en plus et puis des stockages en plus. Enfin, enfin je veux dire, euh, rendez-vous compte. Enfin, allez. Enfin, moi, je... quand il y a des gens qui me disent qu'il faut développer, développer, développer à base de minéraux, de métaux, je dis écoutez, moi, régulièrement, plusieurs fois par année, je vais visiter des mines et je vais rencontrer des populations impactées. Venez avec moi. Une seule visite vous suffirait à revoir la chose. Moi, ça fait 15 ans que j'en fais des visites. Donc, vous voulez faire de l'antenne du machin de la ramification du métal Venez voir une. Je vous en propose une. Moi, ça fait deux ans que j'en visite. Venez voir une seule. Un en enjeu de prendre conscience. De la réalité, et là, vous avez tout à fait. S'agissant du coup de la posture, enfin de la situation de Systex par rapport au, au ministère, donc Systex aujourd'hui est la seule association en France qui travaille sur ces questions-là. Exclusivement sur les filières minérales. Ce qui est du coup étonnant parce qu'il y a des... Vous avez plein plein... sur l'eau, sur l'agriculture, sur la mine, il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, on est complètement débordé. Je suis la seule salariée, il y a 10 bénévoles. C'est hallucinant qu'on en soit là, en fait. Euh, voilà. Euh, nous n'avons pas été conviés euh, dans le cadre que vous mentionnez, à savoir sur la Convention citoyenne, euh, mais pour vous rassurer, dans le cadre de la réforme du Code minier non plus. Ça tombe bien, ça fait, ça fait 10 ans que 6 texte, tous les ans, enfin, à chaque fois qu'il y a une réforme du Code minier envoie des documents, fait des publications pour dire il manque ça dans le code minier, ça va pas du tout, vous êtes très lacunaire par rapport au code de l'environnement, c'est scandaleux, nan 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 nan. blablabla, il euh, y a une réforme qui est en cours, euh, le ministère n'a pas euh, trouvé nécessaire, utile, voire pertinent de solliciter six textes alors que c'est ballot, parce qu'en fait on travaille énormément là-dessus. Donc euh, du coup je je ne je, je je, je vais pas juger de ce que pense ou pas le ministère euh, parce que ce serait euh, euh, pas, pas, pas honnête parce que j'en sais rien en fait mais ce qui est sûr c'est que la spécificité de Systex quand même et ça c'est par rapport à la lésion de posture ce qui est compliqué avec Systex c'est que vous avez des gens dont c'est le métier qui parle hein. donc ça veut dire que quand vous dites des choses que les... j'habite c'est compliqué quand même hein. c'est ça la difficulté aussi de Systex et c'est pour ça que moi au sein de mon association la majorité de mes membres, ils sont anonymes parce qu'ils ne veulent pas perdre leur travail, parce qu'avec ils payent leurs factures et ils nourrissent leurs enfants. Et on en est encore là aujourd'hui en 2020. C'est-à-dire que moi, j'ai une association qui ne dit pas des choses délirantes. Je vous dis pas que je veux tout casser ou que je veux foutre le feu partout. Je vous dis qu'il y a des problèmes sur les métaux qu'il faut les entendre et il faut les prendre. Et malgré tout, une personne qui est en activité doit prendre aujourd'hui encore en 2020 un pseudonyme parce que sinon c'est son poste qu'elle va perdre. Donc, on en est encore là. Donc, là-dessus, vous avez au moins, euh, enfin, vous avez vraiment raison d'insister sur la nécessité que ce type de message soit pris au sérieux. Moi, ça fait 15 ans que je travaille. Je suis loin de tout savoir. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ainsi que toute mon équipe. Et ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. On commence à avoir des choses en, en, en main. On peut dialoguer. On n'est pas anti-mine. On n'est pas anti. Pas anti euh, voilà, il n'y a pas plus de deux semaines que ça, on a une discussion pendant des heures avec un gros industriel minier qui est une multinationale avec qui on a discuté de plein de choses fort intéressantes. Vous voyez, j ai, j ai, j ai, moi, je n'ai aucun ennemi. Euh, par contre, je veux bien qu'on dise les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on qu aimerait qu'elles soient. Et je pense que ça, c'est un petit peu encore compliqué, en particulier sur des sujets comme la mine, qui ont été quand même épargnés de la lumière médiatique et publique pendant un certain nombre d'années. Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire. Euh, encore merci pour euh, cette présentation et votre intervention. Mais euh, donc le bilan que vous dressez est quand même euh, assez négatif, on va dire euh, globalement. Mais est-ce que quand même il y a des choses qui tendent à aller vers le positif, qui tendent à s'améliorer et des, euh, disons, des mesures qui sont prises euh, pour aller dans le bon, qui vont dans le bon sens, qui sont vraiment appliquées et pas seulement, euh, disons, pour cacher la misère un peu. Oui, il euh, y a une prise de conscience qui est récente quand même, hein. Hein, C'est-à-dire que malheureusement, je, je peux vous dresser un, un, un certain nombre de choses que je vais vous présenter là, mais il faut, faut se rendre compte que la prise de conscience est récente et y a une pression d'opinion un peu partout dans le monde. Il euh, y a de plus en plus, par exemple, des laboratoires qui tra travaillent sur des nouvelles techniques des effluents. On parle des problématiques de gestion des déchets. De la nature des réactifs qui sont utilisés pour le traitement du minerai, certains étant particulièrement problématiques d'un point de vue sanitaire ou environnemental. Donc vous voyez, il y a quand même des évolutions. Euh, mais par exemple, je vous donne cet exemple-là, vous voyez, il y a des points saillants sur lesquels on n'arrive pas à avancer. Par exemple, à Sistex, on considère que c'est une aberration, qu'il y a une industrie qui traite des millions de tonnes, à savoir l'industrie orifère, qui traite des millions et des millions de tonnes avec du cyanure. Je ne parle pas quand même d'une substance bénigne. Et que ce soit toujours autorisé partout dans le monde, jusqu'à des méthodes qui sont vraiment super sympathiques, qu'on appelle la lixiviation en tas. Vous avez un peu comme en genre un arroseur agricole, quoi. vous prenez la roche, vous la broyez tout simplement, vous faites des énormes tas, vous prenez l'arroseur agricole, vous balancez des eaux cyanurées dessus et vous récupérez les jus qui en ressortent. Quoi. Non mais d'où quoi D'où on utilise encore ce genre de technique Le Parlement européen a demandé à la Commission européenne en 2010 d'interdire en Europe l'utilisation des cyanures dans l'industrie orifère et argentifère. Réponse négative. En 2017, le Parlement a re, européen a redemandé à ce que soit votée une loi pour interdire ce type de pratique. Réponse négative. En France, on a une proposition d'un sénateur et une proposition d'un député pour un, de proposer une loi d'interdiction des seigneurs. Si texte le sait, on a travaillé sur un dossier technique qui accompagne cette proposition de loi. Pour l'instant, aucune réponse. Ça date quand même de 2017-2018. Donc, si vous voulez, il y a effectivement des efforts, mais alors soit il y a... Un contexte économique et général qui n'est pas forcément propice parce que quand vous avez tout le lobby orifère derrière, c'est peut-être pas le moment d'interdire la cyanuration sur laquelle repose 80% de l'or mondial. Hein, quand même, 80% de l'or est cyanuré dans le monde. Et il y a un deuxième enjeu, c'est que souvent on est un peu déçu de voir des techniques. Par exemple, moi j'ai une technique, vous voyez, j'ai beaucoup dénoncé les digues mineures et les risques de rupture. Et il y a des techniques en fait de séchage. C'est-à-dire qu'on va sécher le résidu, parce que le problème de ces digues, c'est que la... Enfin, il y a un excellent rapport de l'UNEP de 2017 qui l'explique très bien. Il dit en fait que tous les, les accidents de digues minières auraient pu être évités. Il le base en fait sur des évaluations, des mécanismes qui sont à l'origine de ces ruptures. Et on voit très bien en fait que l'un des problèmes majeurs, ça reste l'eau. En fait, c'est l'eau qui pousse. Et du coup, quand on regarde ça, euh, on se rend compte en fait que il euh, y a des méthodes qu'on appelle le dry stacking pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, où on assèche le matériel. Donc on prend la boue, on la sèche. Et on la stocke sous forme sèche. Vous comprenez bien, si vous êtes peut-être proche de le domaine de l'ingénierie, que déplacer stocker une boue, ça n'a rien à voir avec déplacer stocker un matériau sec, enfin humide, mais globalement sec, quoi. Et ça, ce genre de technique, on a beaucoup beaucoup de mal à les faire passer dans l'esprit des gens, en disant mais pourtant vous le savez, les digues minières c'est compliqué, il y a de plus en plus de problèmes, il y a eu un accident majeur dans une mine qui était gérée par les deux plus gros mondiaux. Quand même, on parle de vallée notamment. Donc, lorsqu'on a ces problèmes là, Faisons quelque chose. Il existe, cette technique existe, mais on vous dit oui, mais vous comprenez, les coûts sont compliqués. Non, 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 non. Donc souvent, on est un peu déçu nous de voir des technologies qui seraient peut-être à développer, à développer, si vous voulez, au-delà de l'échelle pilote, mais qui des arbitrages économiques. Et à ce titre, par exemple, nous à Systex, on dénonce quelque chose, c'est que vous voyez les bouts-là que je vous ai présentés. Maintenant, beaucoup de pays dans le monde, dans plusieurs pays dans le monde, je dirais plutôt, pour être plus précise. Les déversements en milieu aquatique sont autorisés. Vous voyez la merde là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand même. Hein. On vous autorise à la déverser dans des rivières, des lacs ou d'autres choses. Et dernièrement, il y a un, un projet en Norvège qui admettrait que les résidus miniers soient déversés dans des fjords. Mais on va où enfin, Ça n'a pas de sens. Et quand, vous, quand on se retourne vers les exploitants, on vous dit, ben bah oui, mais vous comprenez, comme on n'a pas de capacité voyez, de création de parcs à résidus en bordure, eh bien du coup... Euh, il faut euh, qu'on déverse les résidus en rivière parce qu'on n'a pas le choix. Et, ou en fjord ou en mer, quoi. Déversement, c'est 280 millions de tonnes estimées en 2018. Hein. C'est pas un bébé volume. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de résidus miniers qui sont déversés dans les milieux aquatiques. Donc, ce que je, pour répondre à votre question, je vous dirais, il existe des initiatives intéressantes qui sont... ...pilotes, qui sont souvent non déployées pour raisons économiques. Et aussi, par contre, ce, ce que je dirais, c'est que, par contre, il s'agirait quand même... Pour aller vers le bon sens, qu'il y ait certaines règles, vous voyez, cyanuration, déversement, en rivière, des trucs un peu types, vous voyez, un petit peu forts, que sur ces trucs-là, on mette on met un arrêt. De dire, bon, bah, ça, c'est interdit, on arrête, quoi. Au moins pour que y ait les, les impacts les plus graves soient limités dès maintenant. Et ça, on a encore du mal à faire avancer collectivement la législation et la réglementation dans ce domaine. Merci. Est-ce que ça vous parle, un téléphone portable qui s'appelle le Fairphone Oui, le Fairphone, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus, parce que j'ai des questions là-dessus, est-ce que c'est une solution entre gros guillemets ben, C'est intéressant dans le domaine du Fairphone, c'est ça, euh, le fait que ce soit un objet qui soit démontable facilement, des pièces individuelles, du coup on n'est pas obligé de changer le tout à chaque fois. Donc, c'est une initiative qui est très intéressante. Du coup, on a une belle augmentation de la durée de vie euh, du produit euh, par, rapport à, par rapport à cet enjeu-là, donc en termes de substitution, parce que typiquement, voilà, notamment, aberration euh, de certains constructeurs d'intégrer des batteries. Comme ça, quand la batterie est morte, on change tout, merveilleux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, et sauf erreur de ma part, parce que ça fait un, un ou deux ans que je ne suis pas allé euh, dessus, mais euh, globalement au niveau des matériaux initiaux, ça reste encore des matériaux qui sont, euh, bah, je vais dire, du, du, des filières classiques quoi. Hein. Après, à la décharge euh, de ces filières-là, pardon. Vas-y, Mathieu. Alors effectivement On parle de filières notamment par exemple euh, qui prennent en compte euh, comme tu disais par exemple pour le Congo ce sont hors des zones de conflit. Euh, par exemple pour certains vous avez peut-être entendu parler de cette loi européenne sur ce qu'on appelle les 3T gold, euh, c'est-à-dire euh, tungsten, tin, tantal euh, enfin étain pardon tantal plus or qui en fait conflit. Donc effectivement, on va dire qu'il y a des efforts qui sont réalisés par rapport à des processus de éviter, par exemple, les zones de conflit ou autres, ça c'est vrai. Je dirais que déjà propre, encore faut faudrait... pour qu'on puisse s'alimenter en métaux associés. Donc je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante qui va dans le bon sens, comme la discussion qu'on avait tout à l'heure en fait en disant ce sont des produits qui sont beaucoup plus renouvelables. Faut... Enfin, clairement, moi je comprends quand même. Toujours pas comment c'est possible qu'en 2020 encore une fois on crée des appareils avec des batteries intégrées. Du coup, si la batterie a un pépin, il faut tout changer. Quoi. Je comprends même pas que ce soit possible. Il y a des gens qui m'ont quand même raconté. Pardon. C'est incroyable. Il y a quand même des gens qui m'ont dit que pour une certaine marque qui a pignon sur rue, la personne, moi je ne savais pas, la personne amène son téléphone, on ne lui pose même pas de questions, on prend l'appareil, on va en chercher un neuf, on lui rend, c'est terminé. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui Donc, je trouve que ça va dans le bon sens, quand même. Vous nous avez présenté euh, des situations de rejet dans l'espace naturel, de, de déchets miniers. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la mine de Salsigne dans l'Aude, qui est en France métropolitaine et puis, alors je ne suis plus très sûr, mais il y a eu aussi un scandale sur des bouts rouges euh, qui se en Méditerranée. Je ne sais pas exactement où c'en est. Et ça, c'est proche de chez nous, donc ce n'est pas que de l'autre côté de la planète que ça se passe. Quoi. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Alors, Salsigne, en fait, c'est un site qui a eu une... premier producteur de... De... européen en Europe et qui a été un producteur majeur en arsenic. Pourquoi Parce qu'en fait comme dans de plus en plus de gisements d'or aujourd'hui, en fait, l'or à Salsigne était à l'intérieur d'un sulfure d'arsenic et de fer qu'on appelle l'arsénopyrite. En fait, on on crée des concentrés d'arsénopyrite, déjà de base, et ensuite, on cyanurait ces choses-là, ou on les brûlait pendant longtemps, pour pouvoir en fait récupérer à l'intérieur de sulfure d'arsenic et de fer euh, l'or. Alors, c'est schématique, hein, il y avait plusieurs trucs, mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, c'était un gros producteur d'arsenic et effectivement, il y a deux grands parcs, un peu comme ceux que je vous avais présentés, qu'aujourd'hui on voit un petit peu moins dans le paysage parce qu'ils ont été euh, reterrassés et euh, revégétalisés. qu'on appelle la digue de l'Artus et de Montredon, donc deux sites, qui posent un certain nombre de problèmes. Donc Salsigne, c'est dans l'eau d'à côté de Carcassonne, au nord. Ville de Lastour, pour ceux qui connaissent, au nord de Carcassonne. Euh, alors, c'est un peu compliqué, ce que c'est très euphémique hein, ce que je dis, hein, quand je dis que c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, ces dépôts euh, ont des interactions. Avec des eaux souterraines qui sont à l'intérieur des parcs à résidus, donc qui ont été refermés, et avec des venues d'eau de source qui arrivent vers les dépôts, en fait. Donc il y a des problèmes de stabilité, des gros problèmes de drainage d'eau arsenée, et il y a de nombreux dépôts. Alors ceux-là, ces deux-là, ont été mis en sécurité avec guillemets, mais il y a effectivement d'autres dépôts qui ne l'ont pas été. Et il y a eu, il y a deux ans de cela, un énorme épisode euh, climatique qui a généré des inondations avec des morts, hein, bien sûr, et on pense encore aux victimes euh, qui sont liées à, à ces épisodes. Et les dépôts miniers anciens, de stériles ou de résidus, d'ailleurs, en fait, ont on été en partie, une, encore une fois, entraînés. Les bouts, avec les crues, si vous voulez, sont redéposés dans des zones qui étaient plus ou moins fréquentées par les familles, dans des jardins des propriétés privées, et on a recomontaminé une nouvelle fois. Donc, suite à cela, il y a un certain nombre de parents inquiets qui ont demandé des dépistages. Il y a plusieurs enfants, une dizaines d'enfants, qui ont relevé, enfin, sur lesquels on a relevé des taux anormaux en arsenic. Donc le... il est terrible parce que ça fait des années, des années et des années qu'on met de l'argent et des millions euh, tous les ans pour essayer de s'occuper de ce site et que malgré tout, on s'en sort pas tellement. Les pollutions sont majeures. Je pense que c'est un des, des pires cas qu'on puisse avoir euh, du coup euh, sur le territoire français au regard de la taille de l'exploitation et des impacts qui se poursuivent encore une fois quoi, et les difficultés que l'état a pour trouver des solutions à ces problèmes. Et effectivement au niveau des bourrouges, donc en fait c'est une usine bah, c'est les mêmes euh, bourrouges dont on a parlé effectivement tout à l'heure c'est le même principe qui est une usine qui se trouve à Gardanne qui dispose en fait, d'une galerie souterraine qui en fait draine ces euh, une partie de ces rouges jusque dans la mer euh, Méditerranée. Alors nous, Sistex, on avait été sollicité il y a cinq ans pour regarder le dossier, à l'époque où c'était plus un sujet d'actualité euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd je pourrais malheureusement pas vous, en, vous dire où est-ce qu'en sont les diagnostics, parce que nous, quand on s'est on s'en est occupé. C'est vraiment pour aider, euh, en l'occurrence, des personnes euh, du domaine institutionnel à y voir clair entre les rapports techniques qui leur étaient remis, mieux comprendre. Euh, du coup, nous, ça a été que cette petite intervention. Je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont sur le déversement. Bon, malheureusement, on, va, on sera obligé de... La soirée, là, est devenu euh, nombreux. Euh, et je à faire. Euh, on a parlé technique aujourd'hui, mais euh, on a aussi parlé beaucoup de euh, ce euh, cette conférence était portée pour l'UTBM par le pôle des humanités. Et également aux ingénieurs engagés qui ont été là. Si à Nathalie pour l'organisation. Comme vous pouvez imaginer, en ce moment n'était pas, pas toujours facile pour la pour le sur YouTube. Tout merci, un grand merci à vous.